m'échauffer et m'entraîner à faire des scrolls. Ah, je fais pipi sur Solstice en off. Ah, c'est con. Enfin, c'est con, c'est bien, mais c'est con. C'est bien, voilà. C'était en off, mais tu l'enregistrais quand même, ou? Ouais, j'enregistre avec OBS par sécurité. Parce que ça m'est déjà arrivé de pibi sans l'enregistrer. Ouais. C'est un peu plus embêtant. J'imagine. Bon, comme je foire généralement un des trois derniers écrans. Ouais. Voilà quoi. Ça fait partie de ces jeux où, j'ai tellement merdé dessus étant petit, j'ai même pas envie de genre de le faire, tu vois. J'ai envie dans ma tête que ça reste cette espèce d'expérience surréaliste de non mais c'est pas possible. Oui, et ben moi c'était justement l'inverse. Je me suis dit, tiens, si je regardais le speedrun, et quand tu vois que les mecs le font en 6 minutes, tu te dis, ah, oh, Ah, c'est j'aimerais bien ça, voir parce que si comment. je dis pas de bêtises, y a pas la moindre goutte de RNG. Ah non, il y a. Enfin, non, pas à ma connaissance. On a un petit peu sur certaines salles, parce que le déplacement des mobs, Ah, ok, voilà. je croyais que même ça c'était. Mais. Non, non, il y a quand même 2-3 salles. Mais bon, c'est ouais, c'est en fait, c'est même pas de l'exécution, c'est vraiment de l'anticipation. Ok. Tu dois toujours imaginer la salle suivante pour anticiper tous tes déplacements, quoi. Oh, c'est C'est intéressant comme vraiment ça la exercice, ouais. difficulté à connaître, quoi. Mais ouais, non. Enfin, le NI%, il est pas plus difficile que le 100%, puisque tu peux pas te faire toucher de toute façon. Oui. Et bon, il y a des setups de salle en salle, et donc forcément, ben, tu as des setups qui sont, je veux dire, à 15-20 frames près, tu vois. Ouais. Donc, ben, c'est bien de savoir anticiper le truc, et puis bon, ben, si ça va pas, tu reloads de la salle Bien si sûr. tu t'es trompé. Tu as toujours une perte d'une ou 2 secondes à ce moment-là, quoi. Ouais. Je reste admiratif. Je ne suis pas le genre de personne qui possède la motivation de faire ça. Ouais, non, je suis, moi, je ne sais plus, 7 minutes 42, je crois que j'ai su. T'as dit que le Comme ça. record il était 6 et quelques? Même 5, je pense, un 5,40, un truc comme ça, le record. Ok. Bon, là, il y a des strates un peu plus complexes, on va dire. Ouais, un peu plus poussé. Ben, moi, avec ce que je fais, il y aura peut-être déjà moyen d'être low 7 minutes, quoi. Ok. Je cherchais des mouchoirs parce que Important. le gamin m'a refilé la crève. Oh le bâtard. Je dois moucher. Et tu apprendras, toi, jeune papa, que quand il te refile la crève, toi tu le fais, mais en 10 fois pire. Pour l'instant, c'est juste arrivé que je lui refile le Covid. Oui, mais dans ce Bonsoir. sens-là, Dans ce c'est bien, sens-là, ouais. c'est dans l'autre Salut sens que dame. c'est le pire. Salut. Tu sais, le truc où t'as le gamin qui toussote un petit peu, qui va quand même à l'école, parce qu'il a son nez qui coule, et puis il va te tousser 2 fois dessus, et toi le lendemain tu sais pas te lever, quoi, tu vois. C'est plutôt dans ce Mais sens-là. pourquoi je tousse, moi? Ouais, mais je le sais que ça arrivera. Bon, c'est con que Panul veuille pas revenir. Là, j'étais content de pouvoir faire un soir pas dernier. Je sais plus à combien, mais j'étais content, quoi. Et c'est Carly, bonsoir Carly. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Je me demande où est-ce que je peux parquer le corps du gamin. Ah, j'allais dire, tu as l'air d'avoir. Tu as une voix pleine de joie. Ouais, c'est ça.
Après, les corps sont pas très encombrants, j'imagine qu'il y a peut-être moyen de. Ouais, mais faut trouver un endroit, tu sais, en ville, c'est pas évident. Ah oui, bah oui, en ville. Hein. Ouais, dès que tu vas retourner un peu de terre, ça va se voir. Y a pas genre des plaques d'égout pas trop loin? Ah, c'est une idée, j'avais pas pensé aux égouts. Ah, ça y est, voilà, carrier de Jaunaf. Faut que je prépare ma victoire de ce soir, hein, si Spudo vient pas. Ah bah, time, ça y est, j'ai fini. Au revoir, bonne soirée. Ah bah, écoute, merci d'être passé. Ah bah, franchement, c'était cool, Carly. Merci, ouais. Puis c'est qu'on apprend beaucoup, quoi. On t'a regardé jouer et. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. No spoil, s'il vous plaît. No spoil, désolé, pardon. Il y avait le boomerang dans le 8, désolé. Dans le 9, ça aurait été plus drôle. Ah, allez, trop bien. Ah, Spudo vient pas en plus. Bah, Spudo vient pas. Oui, c'est pour ça que c'est toi qui gagne ce soir. Non, attends, faut que j'enlève son nom du titre du live. Ouais, mais Lady. Si j'ai un coup de chance, des fois ça arrive. C'est pas souvent la première. Oh, c'est quand même arrivé quelques fois, hein. Non ouais. Oh, le duel nous a déjà mis. Elle vous a déjà mis. Oui. J'étais là quand elle vous a mis. De toute façon, on va générer une seed de merde. Trop chouette. On va aller sur un truc ou l'autre. Après, si tu veux générer une seed sympa, tu peux aussi. C'est vrai que c'est une possibilité dont on parle très peu, mais c'est faisable. En tout cas, les ricains n'en parlent jamais. Des seeds sympas, mais c'est parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Il suffit de voir les commentaires de toutes les runs qu'ils ont fait avec nous. Toi, c'est un peu ta fierté, quoi. Dès que tu te fais insulter par des Américains, c'est... Bah, par des Américains qui sont bons, The Fury SK, généralement, il râle en disant « Ouais, voilà, encore une skill de goth ou quoi », mais le mec, on le finit tous en 1h40, lui, il fait 55 minutes, quoi, tu vois. Oui, donc il peut se plaindre, c'est ok, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Donc on vit pas la même site, quoi. Où est-ce que je peux trouver les ROM practice Des practice ROM sur Zelda? Je sais pas, y en a pas non? Il me semblait que vous en parliez, je sais plus trop quand. C'est juste pour quand je démarre avant le stream et que je m'entraîne à faire des scrolls que j'ai pas que 3 coeurs quoi. Ouais, maintenant ouais. J'allais dire la practice ROM en général c'est pas tellement pour t'entraîner à faire les glitches. Non, c'est plus histoire d'avoir les cœurs et tout ça, histoire que. Sur le Discord de Zelda, il y a pas. Attends, je sais peut-être où ça. Ou je la demande. Ah, Aurel, il me l'avait peut-être filé. Attends. Non, mais attends, je vais aller voir sur. J'imagine que sur speedrun.com, potentiellement dans les ressources. Ça, je suis pas sûr. Ah non? Parierai pas. Ressources. Buffet practice hack, ouais si, practice hack, ouais si. Ouais, ils l'ont mis. Hitbox. Ça doit être la next gen ça. Il y a 7 ans. Ainsi que ouais, il y a 2 ans. Ouais, pourquoi c'est la next gen. Il y a 2 ans, elle doit être mieux parce que c'est la next gen. Hitbox visualizer. Ouais. Il y a la hitbox visualizer, là t'es... Ah d'accord, ok, donc il y a buffet avec tout dedans, et il y en a une en plus où dedans t'as un compteur de kills consécutifs pour les bombes, les valeurs globales, tout ça. Ça c'est vraiment les practices pour le speedrun. Ouais, ça c'est beaucoup buffet, de choses qui... Tout ce qui est en rapport avec le buffet, c'est pour manipuler tout le niveau 3 en fait. Pour manipuler le niveau 3? Est-ce qu'il a le niveau 3? Il manipule. En gros, quand tu le speedrun, c'est le premier niveau par lequel tu commences. Ah. Et il est extrêmement RNG, notamment pour le drop de la première bombe dans la salle des Dark Knights. Le but, c'est d'éviter de tuer les 3 Dark Knights pour avoir les bombes au sol. C'est de l'avoir sur le premier Dark Knight. Et en fait, tu as toute une manipulation à faire quasiment frame perfect.
Et il y a moyen de du début du jeu, donc à partir du moment où tu allumes la console d'une certaine manière, jusqu'à la fin du niveau 3, de manipuler les RNG. Manipuler, ouais, même manipuler les déplacements de Manandla à la fin du niveau, quoi. Si tu regardes, je veux dire, le top 5 du leaderboard, ils le font tous maintenant. Ah bon, parce que les Manandla, on peut les manipuler. Bah, eux, ils ont trouvé, en tout cas... ouais, c'est pas un truc à notre niveau, quoi. Ouais, ouais. Je crois même que la Kata qu'il avait réussi à manipuler jusqu'à la fin du niveau 4 à un moment. Ah bonsoir Lady, j'avais pas vu que tu étais là. Son micro était coupé, Lady. Ouais, normalement, Amanda, je le vois. Si tu fais sur la route, si tu faisais un clip pour. Pour faire un screen scroll pour aller jusqu'au niveau 3. Papa. Bonsoir. Coucou Lady. Bonsoir. Ah, on m'entend du coup ? Oui. Ok. Et si tu passais par le chemin normal, ce qui te faisait prendre plus d'écran, le main là apparaissait juste à côté de... Ouais, t'as les spawns aussi qui sont différentes. Tu peux manipuler aussi les Stalfos du niveau 1 en fonction de comment tu loads le screen où t'as la cave avec la White Sword. Si tu reloads ce screen-là dans le speedrun, en fait, ça va déplacer le Stalfos, dont notamment un qui a une clé, alors que d'habitude, si tu reloads pas, tu l'as en face de toi et t'as plus facile à prendre la clé. T'as tous des trucs comme ça. Ah d'accord, ouais. C'est vraiment de l'optimisation de le truc pop 14 pixels à gauche. Exemple, dans les manipulations du level 3, une fois que t'as ton premier drop de bombe, en fait, tu pars dans les rooms sur la gauche. Et alors, à un moment, tu as une salle avec, je ne sais plus, c'est 5 ou 6 Dark Nuts rouges. Et là, ils ont réussi aussi à manipuler pour qu'en posant une, voire deux bombes maximum, ils clean la room. Ils prennent aussi un damage boost parce que ça leur permet aussi de forcer un deuxième drop de bombe. Enfin, il y a tout un calcul de manipulation qui a été fait là-dessus. C'est un truc d'acharné, ça. Ouais, bah, c'est un peu comme le début de Zelda 2 maintenant. Hein. Tout est manipulé jusqu'à l'entrée du palais 1. Ok. Et ça commence à être la merde aussi pour démarrer des 100% all kill quand tu veux vraiment partir sur un temps fauteuil qui m'énerve, putain. Ok. Enfin, ils ont tous des tableaux Excel avec en fonction des frames auxquels tu sors de la Magic Cave. Ils ont réussi à mapper en fait tous les types d'encounters que tu peux rencontrer pour faire un double bubble skip. Bien sûr. Et alors il y avait un autre truc aussi. Un bubble skip. Mais je croyais que c'était Zelda. Non, mais c'est celle-là où c'est complexe, c'est qu'il faut que tu lances un autre jeu pendant le run de Z2. Non, c'est Lady, elle va voir de quoi je parle. Tu sais, quand au sud du palais, quand tu vas chercher le cœur. Oui. Il y a un moment, t'as un tile trap où c'est des bulles qui sortent du sol là que tu dois sauter. Et en fait, ce tile-là, il y a moyen de manipuler les encounters à l'aller et au retour. Pour qu'il chope sur le tile et que tu ne fasses pas ce truc. Ça va, j'ai regardé tes streams, je sais aussi de quoi tu parles. Oh, ça va. Bon, je vais générer parce que ça devient désagréable ici. Voilà. Je t'ai vu. J'avais trouvé l'astuce il y a 30 ans. Je t'ai vu engueuler ton fils parce qu'il ne se foutait pas sur la bonne tile et tout. Ça lui a vendu des jours à la cave, hein, ça. Il y a des gens qui disent ça en stream. Quelle horreur. Ouais, en tant que belge, ça passe, c'est dans les mœurs. Ouais, c'est sale quand même. Oh, bon, je suis en stream. Ah, mais c'est moi, je l'ai pas dit. Bonjour tout le monde. C'est ça en fait, quand tu lances la caméra, tu te fais passer pour un gentil. Je veux dire, ça marche pas bien, mais. Je sais ça quoi. Si c'était le but premier, je crois que je me suis bien foiré depuis des années. Bully, Shield, Raft, Triforce. En effet. C'est bon, le live de God a démarré. Redis les trucs super racistes que t'as dit juste avant là. Moi je suis pas en M for mature, je suis en M for nazi, tu sais. C'est vrai. Ouais, les histoires sur les belges et les enfants. Oh, il y en a plein. Ah, il y a barbecue.gov qui nous rejoint. Si tu sais que c'est un site .gov, tu sais que c'est sérieux quoi.
Qu'est-ce que je viens de faire? Ah merde, j'ai appuyé sur raccourci clavier pour... Ok. C'est le speedrunner public. Merde, j'ai appuyé sur un truc qui a affiché mes fesses. Ah non, c'est quoi? C'est ça. Ok. Ah, mais il faut du papier, moi, pour... Bon, je vais juste me rechercher à boire. Et après, je suis radis. Le mec est un radis. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur Got. Est-ce que c'est pas préférable? Est-ce qu'on veut vraiment savoir ce qu'il y a dans la part d'ombre de Got, tu vois? Déjà qu'on peut savoir ce qu'il y a dans la part claire. C'est ça. Je pense qu'on aurait peur, ça nous filerait un vertige. Mais non, mais non. T'es sûr? Non. Seul pas nul sait, et il ne vient plus. C'est pour ça qu'il vient plus d'ailleurs. C'est pour ça qu'il vient plus d'ailleurs. Je dis, c'est con qu'il vienne pas, parce que la seule fois où il est venu, j'ai fini pas dernier. Triforce. C'est ça. Faut que je mange bien, parce que sinon, babier. Oui, c'est quoi cette fin cette, je veux une fin de phrase. Tu vas me battre. C'est complètement improbable. Regarde ça, il est déjà ready, il est chaud. Avec ses 343 points, là. Il me narre, il me regarde de haut. Et alors, on a Macron qui se met à la boxe, le gars. Quoi? C'est des imaginaires par l'IA qui ont... Alors, c'est quoi l'histoire? Je ne sais pas, j'ai vu ça. Ah, il y a aussi Jess. Ah, Jess, elle est balèze. Hein, elle. Ouais, ouais. Si elle veut, tant qu'elle n'est pas sur Discord, c'est très bien. On aura quelqu'un pour battre God, au moins, c'est bon. Il y a une épée. Barbecue, il est pas mauvais. Il y a une épée à côté, c'est parce qu'elle est modéro. C'est ça, c'est parce qu'elle est modérateur. Très bien. Il a déjà fait une race avec lui, cette tête-là, mais à mon avis, oui. Alors, Book Atlas, Hard Shuffle. Wow, oh, c'est du classique, Lady. C'est très classique, ouais. Il n'y a pas de room second quest. Oui. Ah oui, pas les room second quest. Ouais, ça, c'est important. Il n'y a pas de... Ok. Bon, c'est bon, sauf je peux pour Babier. Babier, on lui a... Babier, il a que de la second quest. Babier, il pousse le bloc de quest. Et les bubbles de la... Non, ça, ce serait trop horrible. Prismatique Cobra. Se faire défoncer, il y a tous les ricains qui débattent. Il y a plus de... Faites-les venir, hein. C'est pas un ricain de plus ou un ricain de moins. Turner flag. French Weekly. Genre, on a bien précisé qu'on est entre nous, là. Quoique, il a écrit French et lui, il est là. C'est ça, quoi. Mais c'est eux qui ont baptisé ça, parce qu'au départ, on faisait ça tous les dimanches, et il y avait beaucoup de ricains qui nous rejoignaient, puis ils ont fait leur truc de leur côté. Mm-hmm. Et donc, ils nous ont dit, vous êtes le French Weekly. Très bien. Et tu t'es pas battu? Non, je m'en branlais totalement. Ah. Ça, c'est à partir de là qu'il y a eu la next-gen, tout ça, tu vois. Ah. Trop vieux pour la problèmes. Relève. Oh oui, quelle relève. C'était occupé à d'autres choses. Je crois que le speedrun Zelda est mort après. Pourtant, il y a 2-3 gars qui sont bien dans la next-gen. Ils ne sont pas tous comme ça. Non. Oui, non, mais il n'y a pas moyen que je batte. Je vais chercher un peu d'eau et je vais... Je ne vais pas battre qui que ce soit. Statistiquement, le seul contre qui j'ai une chance, c'est toi, mais ce n'est encore pour l'instant jamais arrivé. Attention, Croutor, il a grind. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah, bah, t'as fait quelques scies dans... sur le côté, hein, en dehors. Quoi? Ah oh oui, mais ça c'est quand je m'ennuie chez moi. Ben moi quand je m'ennuie, je triche pas. Mais Babi en tant que prof n'a jamais le temps de s'ennuyer, tu vois. C'est ah ça, oui. Moi je vis la vie à 200%, quoi. Au pire, il fait grève, quoi, tu vois. Il fait grève. Ça... J'ai décidé de pas venir lundi matin parce qu'il faut que je fasse une practice run. Ok, on va pouvoir commencer, monsieur. Ouais, c'est ça devient urgent là. Oh mon dieu, ça va démarrer. Oh mon dieu, ça y est, c'est parti. Ouais, le stress monte. Oh merde. Eh, je suis pas prêt.
C'est mon seul espoir. De l'épée. Ah merde, je devrais pas le dire. Merde, j'ai oublié d'appuyer. Oh le con. Babi a déjà 3 secondes d'avance. De rien, de rien, de rien. Oh putain. Ça y est, j'ai le boomerang. Ah ok. Il est fort ce babier. Ah oui, attention, je suis bientôt à ma première mort. Je perds pas de temps. Speedrun en mode speedrun, hein. Ah bah attends, moi je suis là pour sauver des frames. Speedrun, ça veut dire vite. C'est vrai. Après, qu'est-ce qui va vite, ça c'est bon, voilà quoi. La connerie, parfois ça peut aller très vite. Voir Mario à poil le plus rapidement possible. Voilà, pourquoi il y a pas un speedrun pour la mort le plus rapide. Bah sinon c'est moi qui gagne à chaque fois, t'imagines les points sur Ace Time. Et ça y est, je suis mort. Stop, stop la clock, 1 minute 10. Oh putain. Bon, tu meurs quand j'ai ma première Triforce, c'est beau. Quoi? Allô? Allô? Ah, je suis pas allé du même côté. Ah, attends, je suis en train de regarder la map en même temps parce que je connais pas les emplacements des grottes ouvertes. J'ai 5 secondes de retard sur un grotte. Oh merde, il est pas mort. Eh, si j'ai compris les indices, j'ai trouvé un truc nul. Au moins on savait qu'il crevait une fois. Non, ne me décédez pas. Ok. Merde, je suis mort aussi. Ne me décédez pas. Ne me décédez pas. Non, je suis déjà en train. Attention, attention, il fait un scroll en live. Non, c'est pas un bon endroit en fait. Désolé, j'ai été impétueux, j'ai voulu. Ah mais c'est pas celui-là. Ce spam de. Y'a quelqu'un qui se fait spam, ouais. Bah écoute, j'ai un Lionel bleu qui vient de me balancer 3 épées à vitesse. Jamais vu ça. Ça se trouve c'est lui qui m'a tué tout à l'heure. Ah non, c'est même pas un Lionel qui m'a tué. Je n'ai pas eu cette gloire. Bon, tout ce que je me dis c'est que j'ai réussi à avoir des bombes. Ça c'est déjà ça. Ça c'est déjà ça. Ça c'est gentil hein parce que. Elle va être longue cette seed. Courage. Oh là là du linel. Oh là là du linel. Au secours. Allez. C'est bien, par contre je suis en train de trouver toutes les dors repair alors que j'ai pas une seule thune. Ah ça c'est bien. Je suis fier de toi. Ça s'est optimisé. Ouais, je suis également fier. Je suis également mort. Deuxième mort, 3 minutes 40. Ah 3 minutes 40, moi première mort là. 3:44, pardon. Ah non, je viens de mourir aussi. Ah bah écoutez. Ah Carly, tu peux forfait. Ça sera pas une deathless. C'est intéressant parce que si vous faites que mourir, c'est qu'on devine un peu dans quel coin vous êtes allé. Non, alors si tu m'as déjà vu jouer, c'est pas une question de là où je suis allé, c'est juste. Franchement, il y a beaucoup de coins. Ouais, mais c'est plus le coin des Linel que des Octorok, quoi. Ouais, bah c'est du randomizer. Il y a des Linel partout. Il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est une grotte à indice. Spoiler, il existe quelque part une grotte à indice. Il y en a même deux, si tu veux être vraiment spoil. Ah, je voulais pas en dire trop. C'est qu'éternu. Ça me déconcentre, qui c'est qu'éternu.
ma run elle est ruinée à cause de ça quoi. Putain, c'est une bonne idée de blâmer le l'échec de run sur les gens qui éternuent comme ça, c'est... Attends, ok, pause. Enfin, oser, hein. Personne fait ça. Je l'ai fait un record et puis elle a éternué. Oh, so close. La run est refusée. Faut que je fasse un tour entier, trop d'ennemis. Écoute, moi j'ai eu une run de Castlevania refusée parce que j'écoutais de la musique. Alors. Ah bon? Ouais, sur CV2. Mais parce que pourquoi? Ça changeait quoi la musique? Parce qu'ils entendaient pas la musique du jeu. Et que si ça se trouve, t'étais en train de tricher. Voilà. Comme un sale sale. Et donc, il y a eu toute une galère autour de ça. Et en fait, le temps que les mecs aient eu s'engueulent, etc., par rapport au fait que j'avais râlé, eh ben, en fait, j'ai refait un pipi de 3 minutes après derrière avec le son et ils m'ont pas fait chier. Toi, ça leur apprendra, ça. Et puis, Lady est arrivée et elle m'a mis ma branlée sur CV. Et ça, c'est. J'ai arrêté depuis un moment CV2, donc t'as dû t'es repassé devant sans problème. CV2 comme Castlevania 2? C'est ça. Castlevania, ouais, 2. C'est ça. Oh. J'aime bien Castlevania 2, il est pas très dur. Il est bien CV2. Il est très bien. Il a mauvaise réputation, quoi. Je sais pas pourquoi. Bah, il a le même problème que Zelda 2, mauvaise trad. Ah. Ouais. Par contre, les gens qui le speedrun, c'est des sales cons, tout ça, enfin ouais, non. Bah, mauvaise trad, moi je trouve que quand j'étais gamin tout petit, j'ai quand même tout trouvé, quoi. Ah, bien joué! Ah ouais. Le mec il est meilleur que la mauvaise trad. Moi j'ai quand même dû sonner au club Nintendo pour le truc où tu dois t'abaisser pour avoir la. Non, bah ça, avec mon frère on y était arrivé, contrairement au truc invisible dans Zelda 2. Non, dans la seconde quête de Zelda 1, pardon. Ah, non, ça c'est de la torture ça. Le club Nintendo ou je sais plus quoi, la SOS Nintendo, heureusement qu'ils étaient là quoi. Chouette, j'ai trouvé les dés, pas trop tôt. Moi je viens de trouver un big secret, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant à acheter avec. C'est bien. C'est mon troisième donjon, je ne trouve pas d'épée. J'en ai pas un seul. Et je viens de perdre de la thune. Très bien. Est-ce qu'ils sont finis les donjons? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais ce n'est toujours pas un donjon. J'ai vraiment peu d'infos. Si, pardon, je crois que j'ai bien compris les indices et que je sais, si j'ai bien compris les indices, ce qu'est le White Sword Item. Si j'ai bien compris la formulation des indices. J'ai eu l'indice aussi, donc si jamais tu veux poser une question, si tout le monde a eu l'indice. Non, je l'ai pas eu moi. Dans ce cas, on peut pas spoiler. Bah, moi, je l'ai eu aussi. Là. Enfin, sans spoil, il y avait écrit machin possède machin, enfin machin possède tel item à tel endroit. At tel endroit. Ça c'est le White Sword item. Ouais. Ça, j'ai pas noté. Moi, ça y est, c'est spoilé, j'arrête. Hein. C'est ça, time. Moi, je forfait. Hein. Vas-y, on regarde. Il est encore là? Non, mais j'ai l'impression d'être comme Aurel et Spudo là maintenant. Zut, quoi. Beaucoup trop bon pour nous? Non, enfin, non. Non, parce que Karim m'a déjà battu plein de fois, Lady aussi. Ma chaîne météore assurance, blablabla. Ok, ça c'est bien, ouais, ça. Et le rush kit qui est là, c'est beau ça. Comment va rush kit? Le seul rush kit qu'on est content de voir. Allez, encore de la météore assurance là. Super. Je suis à 250 rupies, j'aimerais bien chauffer. Waouh, ok. Beaucoup de rupies. Non, mais jackpot, mais je peux rien prendre. Faut arrêter. Bon, j'ai des cœurs, j'ai deux niveaux, je joue pas de peu, tout va bien. Ah bah, j'ai ni l'un, ni l'autre. Ni
encore... Non mais il faut, faut appuyer sur start. Ah putain, mais c'est ça. Pour moi j'ai des bombes, c'est très sympa. J'ai pas eu une bombe depuis le début. Oh mais cassez-vous les tech tag. Oh. Ceci n'est toujours pas... Ah d'accord, je comprends pourquoi t'as 255. Je suis en train de comprendre. Ouais, je te mets sur les petits secrets, hein. Oui, bah oui, certes. Mais je crois que j'ai trouvé lesquels. Je sais pas comment le noter ça. RIP. Oh non, vas-y. C'est ça, 255. Non, ça serait sympa que. Que je trouve un magasin un peu utile, quoi. Par contre, en tout cas, quand on se fait tuer et quand on recommence, c'est facile d'avoir la pleine vie. Ouais. Ça, c'est une épée. C'est une épée. Pas la bonne. Oh. Ouais. Ah, oh, je l'ai croisé aussi. Allez, encore un peu d'assurance. Si tu l'as pas noté, c'est parfait. Après, ok. Putain, des linéaires. L'accent. Le linéaire. Je l'ai beaucoup travaillé. Moi, je vois ça. Oh putain, je viens de trouver la Blue Ring. Et... pour Florent, quoi. Voilà, je viens de trouver la Blue Ring et malheureusement pour moi, j'ai plus la thune. Juste après Meteor Insurance. Et c'est globalement exactement ça. Comment l'as-tu su? Qui a fait quoi? Il a qu'il a forfait. Yeah! Unexpected. Let's go! J'ai failli dire, on a rien à foutre, c'est grave, je suis pas dernier, non, c'est pas cool. Ah, je m'en veux un peu quand même, alors. Juste un peu. Attends, j'ai pas. Du coup, de me faire tuer tout le temps si j'étais moins mauvais, tiens. Ah oui, mais si on était moins mauvais, un peu tous les jours. On se poserait pas toutes ces questions. J'y retourne, je persiste. Hein. Ouais, c'est remis, en fait. Putain, je suis dégoûté que... Ah, putain, saleté de Blue Ring, là. Ah, mais il y a des minelles partout. Ça aussi. Ah, tu vois, tout à l'heure, tu disais, ah, je sais où vous êtes. Tu sais bah, pas. Ouais, mais bah, en fait, non, il y a plein d'endroits pourris. Ah oui, des endroits pourris avec des linelles, il y en a quelques-uns, ouais. Quelques. Mais pourtant, je me fais tuer tout le temps alors que j'ai bien l'assurance. Ah, c'est vrai que. Putain, on a de l'assurance chez Doorframe Insurance, je sais pas quoi là. T'as à pas savoir quoi en faire. Hein. C'est clair. Oh, merci mon dieu. C'est que ça pourrait être pire, enfin, quand même, c'est pénible quoi. Laissez-moi investir dans ma Blue Ring. Je vous en suis put bord cul. Juste un cul. N'importe quoi. Moi je dis, au moment où tu auras le Blue Ring, tu vas trouver le raid juste après. Classique. Bah tu sais quoi, je ne m'en voudrais même pas. Et le pire c'est qu'il y a sûrement un shop qui est beaucoup plus pratique que celui que j'ai trouvé, où il y a la Blue Ring dedans. Mais je persiste à aller dans celui-là. Ouais, bah écoute. Des fois la persévérance ça paie. Rarement quand je joue à Zelda. Et des fois non. Ah bah à chaque fois quasiment non. Hein. Ouais, bah,
J'ai mal Loïc noté. Ok. Ah ça y est, la Blue Ring. Je vais pouvoir mourir, mais moins vite, mais que mourir quand même. Et après, il aura besoin de thunes pour acheter autre chose et il aura plus de thunes. Ça n'arrivera pas. Mais il sera en vie. Je les compte pas, mais je crois que j'en suis à 7 morts. T'inquiète, le jeu s'en charge pour toi. T'inquiète pas, tu vas faire augmenter ce chiffre très vite. Il est trop sympa ce jeu. Oh, une creeper. Dans la nature? Presque. Et j'ai toujours pas trouvé un seul donjon. Hein. Ah quand même. Trois. J'en ai pas trouvé un seul. Et pourtant j'ai exploré quand même. Hein. D'habitude je suis un peu lent pour l'explo, mais là j'ai exploré des trucs. Je persiste. Hein. Et si je me notais que j'ai eu la Triforce pour pas la chercher partout? Pas con ça. Ça peut être. Bête. Il faudrait qu'il crée un espèce de programme genre qui te serve d'aide, tu vois. Comme un Zettelpuff. Par exemple. Après tu mets la lettre que tu veux dedans, hein. C'est une sorte de logiciel. C'est ça. Je vois pas de quoi vous parlez. Bah nous non plus, du coup. C'est ça qui est rigolo. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Merci. Très chanson française aujourd'hui le babier. Merde, c'était quoi la première? On va essayer de pas s'en souvenir. Ah, je l'ai plus. Nous non plus. Je l'ai sur le bout de la langue. Putain, j'ai enfin les téléporteurs. Enfin, les escaliers. Moi, j'ai enfin l'objet en bois qu'on appelle une épée. Ah, bah, chouette, l'escalier. Je ne le possède toujours pas. Moi non plus, ça, tu vois, Babi, on est un peu les mêmes. C'est ça, toi et moi, on est la même chose. Hein. Comme disait Moran à Lara Fabian, toi tu es mon autre. La force de ma voix. Non, on va pas commencer à faire la suite. Putain, ça y est, il est parti. Et attends, hein. Je suis un grand fan de... Comment c'était, Maurice? Oh, ce n'est toujours pas un donjon. C'est quoi la logique sur le set d'Helper quand tu rentres les cœurs? Tu peux, bon, tu peux mettre oui, il y en a un, non, il y en a pas. Donc j'imagine, genre, si t'as trouvé une grotte avec des cœurs, mais t'as décidé de prendre autre chose. Et puis t'as une espèce d'entre-deux. Tu ne sais pas. T'as une icône entre-deux. J'ai tous les donjons quasiment, j'ai pas de trucs. C'était l'autre, évidemment. Le fait d'avoir un. C'est pas un donjon. Si t'as pris un autre item sur le cœur, du coup tu sais que t'auras pas de cœur. Non, bien sûr, mais déjà, donc tu fais ça, tu peux, t'as une icône ou t'as un cœur avec, qui est barré, avec une croix. Ouais. Mais donc si tu scrolles une fois vers en haut, pardon, une fois vers en bas, t'as le cœur plein, deux fois vers en bas, t'as une croix, et trois fois vers en bas, t'as un espèce de demi-cœur, genre. Raconte quoi, monsieur? Je comprends pas. Ah, bah c'est parce que vous êtes team papier et crayon, c'est ça? Non, moi j'ai un Zettelpuff, on met pas à noter les cœurs. J'ai pas le Zettelpuff, j'ai la bêta, celui qu'on m'a dit qu'il fallait prendre parce qu'il était bien. Ah ben voilà, mais c'est un truc de la bêta alors je sais pas. Voilà. Oh là là, l'épée, oh mon dieu. Oh bah écoute, j'ai toujours pas. Ah bah franchement, facile à avoir, tout ça. Ouais. Bah tu me dis, t'as pas déjà 8 Reforce toi? Il a toujours pas trouvé l'épée en bois parce qu'il est déjà à la magical. J'ai des infos sur 4 items, j'ai une Triforce, mais j'ai pas d'épée. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Et ben. Bah bon. Tu viens de dire je suis un bon? Non. J'ai dit mais bon. J'ai dit, je suis un bon, hein. Ouais, t'es un bon, ouais. Je suis un beau Ariem, putain, lol. Hey Anthony! Doing fine, how are you?
got, il est en go mode. Il est en got mode. Ah bon, ça y est, je suis parti, j'ai trouvé l'épée. T'as par contre toutes les grottes avec des potions de temps. Je pense qu'on appelle go mode en fait. Je suis un peu jaloux, on n'a pas eu droit au commode de Got. Je suis un commode, je démarre le jeu. Moi je te propose, Babé, c'est que tu te mettes aussi au rando Z2. Tu verras, c'est bien le rando Z2. Écoute, je suis déjà pas assez bon pour faire pour faire autre chose que dernier sur le Z1. Regarde, après, il va essayer de te vendre les... Ah mais c'est la pente glissante, hein. Il y a Battle of Olympus. C'est exactement, j'allais le dire. C'est la pente glissante, tu commences avec du Z1, tu te fais happer par du Z2, puis après tu dis non mais c'est virtuellement le même jeu, enfin... C'est la pente glissante. En plus il y a plein de nouvelles strats sur Battle. Ah bah trop bien, en plus il y a des nouvelles strats. ça tombe bien parce que les précédentes, moi, elles commençaient à me saouler, elles étaient un peu trop simples. Ils vont pour un 25 minutes. Waouh! Yeah. Flooring! Ah, oh, c'est quoi cette. Oh non, attends, suicide de cette pièce là. Pardon, j'ai trouvé un donjon. 20 minutes. Enfin, c'est le donjon que je cherchais, ça. Bah, quoi, t'as trouvé le donjon, hein? Hein? Non, le 9. Désolé, on peut pas tous être autant en avance. Attends, je mets les deux coudes sur le bureau, c'est bon, là, je suis... Je vais pas appeler ça du go mode, mais je suis en mode. Recherche de vitesse. Non, c'est encore un décès. Ah, deuxième mort. Oh, le pauvre. Oh, dixième mort. Moi, j'ai arrêté de les compter. Vous avez dit que le jeu, il les compte à ma place de toute manière. C'est une dépense d'énergie pour rien, quoi. Quitte à avoir le choix, les boss, il vaut mieux dans les donjons se les prendre leur corps au corps à corps ou les projectiles. Ça dépend des boss. Ouais, je pense que leur corps c'est mieux. Tu penses à Glioc par hasard? Peut-être parce que je les confonds. Non, je crois que c'est Glioc. Il a plusieurs têtes. Par exemple, oui. Il me semble que des fois son corps il fait carrément pas de dégâts. Le boss qui a été inventé dans Tears of the Kingdom. Mais c'est pour ça. Ça dépend. Il y avait un item là. Il avait une jolie couleur cet item. Il me semble, hein. En fait, il y a moyen de passer derrière sans prendre de dégâts, mais sinon, le corps fait des dégâts. Ok. Ouais, et encore, en fait, quand tu te fais toucher par Glioc, les têtes elles ne font que ces 3 septièmes de cœur en fait. C'est codé un peu spécifiquement. Quand tu te fais toucher par les têtes volantes au corps à corps. Non, pas les volantes, les têtes vertes. Les têtes vertes et au corps à corps, pas les projectiles. Voilà, c'est ça. Ah, elles font non, mal. J'ai mal vu cet item. Oh, ouais. J'étais persuadé que cet item était un autre item qui était beaucoup mieux. Ça a été codé par un peu bizarrement, quoi. C'est pour ça que des fois, en speedrun ou quoi, tu vois des mecs qui se font toucher et qui ont toujours le beam. Yes. Ouais. C'est parce que ça retire même pas un coeur, que ça faisait en fait. Pas de dégâts. En fait, ça en fait, mais c'est juste... Ouais, une quantité risible. 3 septièmes de cœur. Oui, parce que pourquoi s'emmerder avec des chiffres ronds quand tu peux avoir 3 septièmes? Ce sont des Japonais qui ont fait ça, voilà, c'est comme ça. Et au Japon, tu comptes pas les chiffres normalement? Non, 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 je refuse d'y croire. C'est tout. C'est ça, c'est parce qu'on parle pas japonais, mais en japonais, ça a du sens. Certainement. Sûrement une date anniversaire ou une connerie comme ça. C'est qui chez Nintendo qui est né le 3 juillet, putain?
Oh mais non. Où le 7 mars. Je sais pas au Japon comment ils lisent l'heure. Bon, voilà une question très peu intéressante. En réalité, moi je sais pas l'année. Comment ils lisent l'heure? Pff, comment ils lisent les années? L'heure, je m'en fous. Non, bah t'avais compris, Babi. C'est très sympa. Merci. Bah, on a l'habitude de faire l'effort. C'est très sympa. Pour les dates, ils font année, moins jour. Et ben comme quoi, quelqu'un avait la réponse. Ouais. Bon, et ben. Fin d'exploration de ce coin là, hein. Ouais, j'en donne jamais. Pardon, j'avais fracassé mon micro, j'espère que ça n'a pas fait un bruit dégueulasse. Ne répondez pas, on va faire croire que le micro va plus. C'est la première étape. On t'entend pas. Allô. Babier ne parle plus. Allô. Ah ouais, non, mais... Il est au niveau 9. Il est niveau 9. Il essaie de passer à travers le vieux, mais le vieux, je veux pas, quoi. Okay. Voilà, ça commence enfin à être un Quelle peu... idée aussi d'essayer de passer à travers. Oh la vache. Je veux traverser les vieux, désolé. Quelle belle expression. Il traverse les vieux. Est-ce qu'il y a une explication dans le lore de qui est ce mec-là? Parce que bon, genre, la vieille, tout ça, je vois. Enfin, en théorie. Puisqu'il y a Impa au départ, mais bon, c'est pas Impa, mais c'est qui ce vieux qui rentre dans les donjons pour te dire bonjour, je suis coincé là-dedans, mais je possède des gros sacs pour mettre des bombes. Bah alors, il s'est peut-être un vieux qui s'est perdu. Hein. Le mec il s'est perdu dans le donjon 9, il a dû rentrer, il avait toutes les triforces. Mais il est pas allé bien loin. Hein. Non, mais il y en a un autre, non? Il y a celui qui te file l'indice par rapport à. Go to the next room? Ouais. C'est-à-dire quoi là, lui il est venu juste. Pour ça. Juste pour te dire. Ok, je suis en panique. Il y a un truc caché dans cette salle. Mais je ne vais pas te dire quoi. Hein. Non, non, mais dis quand même que tu devrais regarder un petit peu, quoi. Raté. Aïe. Ok, je fais le tour là. Parce qu'il y a plein de grottes ouvertes pas loin là en fait. Au nord, il y en a une qui est ouverte. C'est plus scroll, c'est une. Babi, montre-moi comment. Ah, je viens d'en faire un, elle était magnifique. Oh. Tout ça pour entrer dans une grotte avec encore un marchand de potions. Oh, ouais. Au pire, un marchand d'assurance. Assurance contre les météores. Bah, c'est... Oh, mais alors... je pensais qu'il parlait de la bière, moi. Trop chouette. Mm-hmm. Alors, attends, en anglais, ça. Je sais pas, mais en français, les météores, par définition, sont des étoiles filantes, c'est-à-dire ne touchent même pas le sol. Donc c'est carrément inutile de prendre une assurance contre. Peut-être c'est que... une météorite qui touche le sol. Ah, le club premier degré, ah, pardon, météore. Je suis désolé. T'étais pas habitué à ça. Ah, pas à celui-là. Ah non, mais j'essaie de détecter les arnaques, surtout. Mais tu as complètement raison. Ah, mais ça veut dire que si on dit au vieux qu'on a percé son arnaque, il prend pas l'argent, c'est ça? C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie aussi, non? Je voulais dire, je sais que c'est une arnaque, je refuse. Je refuse, non, non! Je veux parler à votre supérieur. J'ai un piercing encore. Oh merde, j'ai encore acheté une assurance. Pour la même chose. En plus, hein, à chaque fois. Je le tiens avec un big secret. Après, si t'es astronaute, peut-être que ça peut avoir intérêt. Alors oui, parce que alors si elle touche pas le sol, mais que t'étais en avion. Ah ah. Et imagine, à titre personnel, tu es en avion, par exemple. Bah j'avoue, j'ai jamais considéré ce genre de cas. Que quelqu'un pourrait être en avion. Ça concerne une part... Ouais, est-ce que ça concerne une part significative? Est-ce que c'est pas un peu de la discrimination de ta part, de pas considérer que les gens peuvent être des avions? Mais tu peux aussi être en avion sans être en avion. Certes. J'étais en avion il y a pas longtemps. Tu peux être par exemple aussi en avion dans l'Aveyron. En vacances, je suis allé visiter Porto, c'était vachement chouette. Et alors t'avais pris une assurance météore ou... Du tout. Ah, et t'as pas eu peur?
En avion tu peux avec tous ces météores là. Bah, ça dépend, t'étais un Boeing ou pas? Ah, en l'occurrence, ah, oui, à l'aller. Ah. Il faut fermer la porte, quoi, c'est tout. J'ai rien dit. Je voulais pas faire encore plus peur à ma maman. Tu savais que récemment. Non. Mais si, attends, non, ça va être rigolo. Récemment. Alors il y a des portes d'avion qui se barrent toutes seules. Ah. C'est ça qui s'est passé. Je savais qu'il s'était passé un truc avec Boeing, mais j'avais plus les détails. Bah, c'était ça. Ils ont eu plein de cas de pièces qui se détachent. Quelqu'un fait la blague des journées portes ouvertes, non? Personne. Bah, je suis bien resté attaché pendant tout le vol. De toute façon, ça dure 2 heures, donc. Comme si t'avais vraiment besoin de faire quoi. Je suis un peu déçu, mais d'accord. Enfin, pas de la durée du vol. De... Que rien ne se soit détaché, ça, allô. Ah, Gliok Returns, mais là, de la chance. C'est vrai que si c'est une roue à l'atterrissage, c'est pas terrible. Oh, mais c'est quoi cette room du cauchemar? Bah, de nuit. Ouais, mais c'est comme les bugs des programmes informatiques, hein, c'est jamais les mêmes, sinon ce serait pas là, sinon ce serait trop facile. Oh putain, bien. J'ai pénétré dans une room du cauchemar dans un donjon. Le jeu m'apprécie et m'a filé une cloque. Ça va, ah ouais, mais attends. C'est une room pour quelqu'un qui a pas de niveau, c'est la mort. Putain, ça peut rien être d'autre, je suis con. Forcément par là. Mais du coup, tu sais, on pouvait pas ramener du vin de Porto dans l'avion. Du coup, on est allé en acheter hier. À Intermarché. Bah, figure-toi que c'était le même que celui qu'on avait goûté là-bas, quoi. Elle est coïncidence, c'est chouette quand même. Comme quoi, ça fallait bien le coup. J'espère qu'il y a autre chose que le bain à Porto qui est intéressant. Oui, la ville est très belle, franchement. Et puis ils ont du pinard. Une fois bourré, ça t'a fait beau. C'était encore une fois bourré. J'ai jamais été à bourré à Porto, j'ai l'impression que j'ai raté ma vie. Non, t'inquiète. Ça va? Alors, si je puis me permettre un conseil, tu peux te permettre. Pas tout de suite visiter Porto parce qu'ils sont en train de construire une 7e ligne de métro. Donc attendez qu'ils aient fini de me construire le métro, ce sera mieux. Comme Loïc. De nécessaire, désolé. Oh, ça passait bien. Encore des cliocs. Enfin, un seul déjà, c'est quand même. C'est vraiment force brute. Est-ce que ça passe? Oh oui. Oh là là. L'adresse du joueur français. Eh bien, c'est le 33 chemin. Non. Je sens que là, oh oui. Merde arrivée. Oh là là. C'est bon. Plaque et tout. J'ai le boomerang. Magique, j'espère. Bien sûr que non. Tomber dessus, le magique. Bon, enfin là, c'est bon, y a rien à dire. Quoi. Un boomerang. Hein. Cette room est encore pire que la précédente. Celle qui était déjà horrible tout à l'heure. Pas le bon choix, ça. Ouais, non, faudra sûrement que je revienne. Non, faudra que je revienne. C'est trop la merde cette room, faudra que je revienne. Hey, Rockal! Thanks for the raid. How are you? Dans des gens qui font mal à leur manette, hein. Je sais pas ce que vous essayez de faire, mais. Mais vous y arrivez pas. Ah, pardon, c'est juste que je joue un peu près. Hey Nathalie, hey Sheepdog. Thanks for the raid. Oh, le gars se fait raid par 8000 personnes en même temps. How was your stream?
36. 36, nice. Magnifique. Spoiler, hein, restez pas longtemps, il va gagner de toute manière. Ah mais c'est bien parce qu'après il nous raid, donc ça nous ramène les gens à nous. Bon ça c'est pas sûr. Ça sous-entend que les gens restent pour regarder Goth. C'est rare ça. Il dit qu'on est pas gentil avec lui, alors il va peut-être pas nous raid, hein. Non, ça c'est le gros serpent bleu rigolo. On oublie le gros serpent bleu rigolo. Les... Oh, ça c'est des Wizrobes, pas rigolo. Je vais mettre un check sur ce donjon avec écrit revenir plus tard quand tu posséderas une épée. Ok. Pas jouer avec une épée qui fasse vraiment des dégâts. Ah. Une épée, pas juste un jouet en bois. Par exemple. Oh, non, il y a des Wizrobes partout. Un truc blanc par exemple. Un truc ou une épée même. Hein. Non, on viendra plus tard. Et si jamais t'as un bâton champignon qui fait oui, ça va ? Il me manque une référence, j'ai l'impression. Ah, alors pour ton info, Babier, le gars qui m'arrête, c'est le deuxième mondial sur Zelda 2. C'est le seul à avoir un... Est-ce qu'il a fait le double bubble ? Avec le World Record. Ah bah oui. T'as vu comment je suis quand tu parles ? Ils sont deux à avoir un 73 minutes. Du coup, c'est un quadruple bubble. Non. Ah, j'ai pas jamais dit que j'étais prof d'anglais, de maths, moi. Le quadruple bubble. Ouah, un deuxième shop avec une blue ring qui était beaucoup plus safe que le premier. Qui est beaucoup plus loin également, mais qui est beaucoup plus safe que le premier. Là, le nombre de Big Secret, il est fixe ? Oui. Il y en a quoi, 3 ? 4 ? 3. Ah non. En fait, c'est dans le... On a la carte. La première quest, t'as 3 Big Secret. Dans la seconde quest, il est pas là ? Attends, merde, je pose mes bombes n'importe où. Okay. Il est pas là ? Mais merde alors. Ok. Et c'est parti pour le show. Si tout le monde est chaud, vas-y Nadia. Et c'est parti, bouge-toi sur ce flow. Nanananananana. Ah bah ils sont bien ces shops. On va partir en G5 et remonter E5 et D5. Ok, time to press. Pourquoi j'ai mis une croix à cet endroit-là ? Ah non, c'est pas une croix qu'il faut y mettre. C'est juste que je suis teuteux, voilà pourquoi j'ai mis une croix à cet endroit-là. J'aurais pu la prendre. Ma carrière sur Zelda 1 pour l'instant. Merci. Ok. Merci. Botting Scarmin, oui. Tout à fait. Bon réflexe. Peut-être aller acheter les flèches. Au moins pour le 5, où dedans il y avait un goma. Oh, les ricains, ils vont vite finir, ceci. Ok. Mais, oh putain. Parce qu'avec un peu de chance. Oh. Je suis bête. Maintenant. Ah, oh putain, yes. Tu fais des efforts, hein. Botte. Droite. Et botte.
puis droite ici. Nice. Ah non, c'est maintenant que je reviens ici. Mais non, mais quel idiote. Pas nice, Linel. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ils étaient là, eux. Non, mais j'étais déjà passé par cette grotte et je ne l'avais pas coché. C'est pas bon ça. Je vais partir en F7. Il y a un truc à cramer, mais falloir que je retourne à Death Mountain, je crois. Let's go. La run peut presque commencer. Oh, je me souviens comment on fait les tourniquets. Oh, trop bien. Tourniquet. Non, pirouette, pas tourniquet. Eh, c'est un truc qui tourne et tout ça, et à la fin t'es content. Ok, Triforce qui est là, plus tard. Très bien. Donc Triforce qui est en bas au milieu. Enchanté. Ça va pas être facile tous les jours. Quand t'es patate, non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah merde. Mais tu sais, moi, la chanson française. Hein. Oh bah ouais, mais ça, c'est la grande. Ça, c'est la grande chanson française, faut quand même comprendre. Quoi. Désolé, moi, les chansons françaises, mais qui conjuguent mal les verbes, ça me. Ah, t'as mis Indochine là. J'ai pas. Y a un truc, il conjugue mal des verbes. Je respecte pas trop la langue française, surtout. Comment ? Tu l'avais regardé d'ailleurs le concert ou pas ? Non, je l'ai mis sans sub. Ah, c'était 100, merde. Ouais. On s'est arrêté à 30. C'est un chiffre. C'est un chiffre, certes. Ça se respecte, tu vois. Ouais. Pas utile, mais au moins comme ça, je suis sûr de me souvenir. Pour faire Breath of the Wild. Ah bah c'est bien d'avoir des sub goals, mais il faut assumer derrière quoi. Ouais, c'est ça quoi. Attends, c'est bien les donjons qui me filent des clés. Je suis en dèche de clés dans tous les autres donjons sauf celui-là. Bah du coup tout va bien. Ouais, enfin c'est pas sûr que j'en sorte vivant non plus hein. Bah du coup, il va mal. On peut pas tout avoir. Ça, c'est la salle de la Triforce. Ah. Les ennemis repop dans la salle de la Triforce ? Non. Ça peut. Ok, ça a un rapport avec le fait que ce soit la salle de la Triforce ? Non. Non. Il peut être en haut ou en bas les items. Évidemment. Il y en a deux au sol. Il y en a dans la grotte. Pas d'item.
Oh oui. Oh là là. Oh la ladeur. Oh non, le morcon. Oh ça spoil. Ça spoil quelque part, il a la ladeur. La faute à la manette. Ouais, la manette qui m'a fait me retourner, elle peut te filer un coup pour défoncer. Ça le fait de manette. Ah oui. Oh la room de merde pour faire le guillot. Du coup, comme j'ai la ladder, par principe, je vais aller faire un... Je ferai un world rap, parce que c'est, voilà, je... pour frimer un peu, tu vois. Non mais faut essayer de terminer la site, quand même. Bah ça va, ça me prend pas... ça va, j'en ai fait la semaine dernière. Hein. La semaine dernière, t'étais plus là pour le voir, mais j'ai fini, j'ai pas arrêté... Oui, c'est bien ce que je dis, faut terminer. Je l'ai terminé, ouais. Hein. Allô. Maintenant que j'ai ça, peut-être le 4. Le 4 il est loin. Oh non, si, en fait le rap il est bien. Yeah. Ça, pour une nouvelle. Bonne nouvelle. Ce de mémoire c'est la baguette. Donc ça me fera un bonus de dégâts qui sera considérable. Oui. Oh là, je viens de faire un scroll. Oh là là, comment je suis fier de moi. T'es fier de moi, Goth? Oh bah oui. Tant merci, papa, quoi. Je suis trop fier. Je le tente quand même, et puis on voit. J'avais tant besoin. Non, c'est toi, non, t'as pas. Non. Moi, tu me soutiens. Comment moi j'ai tant. Non, allô. J'ai perdu, non, c'est là. C'est bon, ah, oui, c'est ça. T'as la Niki? Non, une clé. Ah. Calme-toi. Je suis calme. Ah, les serpentins bleus là. Pour un accent. C'est parce que c'est quand je suis énervé, je prends des accents. Oh, mais. Putain. Est-ce que je tue les blobs à la bombe aussi? Fais le con. Ah, pour force drop, des fois ça peut marcher. Ça peut. Oui, bof. Oh, les Wizrob. Le retour. Les petits blobs ou les gros blobs? Parce qu'à la limite, les gros blobs, si t'as une épée en bois, c'est casse-pied de les tuer. Là. C'est vrai. Ok, je vais aller chercher la baguette. Là, je suis entièrement avec cette affirmation. Combien j'ai de cœur? J'étais un peu en bas par hasard, mais... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merde. C'est quoi, je vais revenir, je suis pas pressé. C'était un des problèmes des fois d'avant, c'est que je persiste trop quand je suis dans des situations où je ne peux pas gagner par manque de skill. Je vais aller chercher, acheter des flèches. Sur le retour. Je suis con. Oh, ça c'est une salle que Babi va aimer. Tu me dis le chiffre du donjon, je vais te dire. Bah je peux pas. Ouais, allez, je peux dire c'est dans le level 2. Je l'ai trouvé, donc potentiellement je sais de quelle salle tu parles. Parce que je suis rentré dedans et j'ai dit non, mais je reviendrai plus tard. C'est un niveau que j'ai pas trouvé le 2. Oh, je sais pas où il est. Ah, tu vois, Babi est à corps de l'avance. Hein. Ah, bah c'est fou, hein. Oh mon dieu! Attends, non, c'est bon. Non, bonne vanne. Non, pardon. J'ai cru que j'avais clear un donjon, mais que j'avais oublié de ramasser la Triforce. C'est juste que j'avais oublié de me le noter. Comme Loïc, encore une fois. Mais laisse ce pauvre Loïc tranquille, avançant. Ah, mais y a aucun problème. Hein. Ah, je viens de comprendre la difficulté du World Rap, qui m'était encore jamais arrivé. C'est que si tu te foires, tu retournes dans la forêt. Bah, ouais. Ça m'était encore jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai que très rarement fait la warp. Hop, alors c'est bon, attends, je suis dans la flotte. Oh non, je crois que je suis trop. Je suis bien au milieu. J'essaye un peu, et sinon je ferai des up A. Mais je crois que je suis trop. Je suis sur le ladder, mais que je suis au-dessus de...
Oh la rage. J'étais sur la case qui est au-dessus du drop. C'est con ça. Très. C'est assez aligné avec la DA de la chaîne. Dans l'autre sens, hein. Pardon ? C'est le seul moyen. Non, j'ai fait un up-pay, je suis parti. C'est plus rapide. Bah, je vais aller check la Master Sword, ça serait fou, mais je pense pas. La Master, putain, la Magical. Ça. Je pense pas qu'elle, enfin, que je puisse l'avoir avec 10 coeurs, mais. C'est une possibilité. Putain, mais les clés, c'est une merde. Ah ouais, hein. Le jeu, les donjons demandent beaucoup. Ça aurait été chouette. Ok. Je me souviens plus si je suis allé vérifier le donjon 2 parce que je l'ai pas coché. Enfin, le donjon de Vanille. Comme tout le monde se tait après que t'as déclaré ça, Carly. Non, mais bon, c'est qui. Je t'avoue que c'est parce que je l'ai pas écouté. J'ai autant de clés que de bombes là. Je peux te dire que j'ai 7 fois, j'ai 7 fois plus de bombes. Que voilà, t'en tires les conclusions que tu veux, mais. Au milieu. Il y a encore 2 cases, 3 cases que j'ai pas vérifié au-dessus. Et c'est con en plus parce qu'elles sont free. Enfin non, il y en a 2 qui sont free, mais. Attends, quoi? Putain, ça c'est. Allez, putain, celle de droite, je suis teuteux. C'est pas ici. Par là-bas. Des cœurs, genre des petits qui font ploup ou des gros qui font plaisir? Des gros qui font chier surtout. Oh là là. Ouais, non mais c'est genre. Il a des cœurs, il est pas content. C'est genre, ah, je me fais pas toucher, alors après tout, ça sert à quoi tout ça? Un peu plus ou un peu moins, hein. Mais non, je préfère avoir des items. Je préfère avoir des items tout de suite. Ah, t'as oublié ce que c'était d'être quelqu'un de normal, tu vois, d'être un paysan comme nous. C'est quoi ces entrées de donjon où tous les murs ils sont bloqués, il faut faire des bombes partout pour pouvoir démarrer. Bon bah ça c'est facile. Y a qu'à en acheter plein aux petits vieux qui sont dans les donjons des bombes. Ah, j'ai pas trop un seul vieux pour l'instant. Ça c'est ton problème ça. J'allais dire ouais c'est un peu ça quand même. Faut péter dans le doute là mais. La seule solution c'est de vieillir et devenir un vieux toi-même avec des bombes dans le. Trop bien. Dans 40 ans je serai bon à Zelda 1 hein, quoi. Oh, c'est de plutôt fois, peut-être non. Ça tient à pas grand chose. Il a encore un cœur, c'est sérieux. Jamais content Guy. Oh là là, encore une Triforce, qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Oh, mais à un moment c'est bien d'avoir des cœurs, mais à un moment tu veux autre chose aussi. Imagine la jolie épée que tu pourrais avoir avec plein de cœurs. Moi je veux bien avoir des clés ou des trucs comme ça quoi, tu vois. Pas, je viens d'avoir une clé, t'es nul, pardon, désolé, alors. Manque de sympathie flagrant. C'est la France. Le chauvinisme, français. On t'accepte uniquement parce que t'arrives à Derrickin. Hein, ouais, c'est ça. Ah oui, non, clairement. On a aucun respect pour toi, mais. Les ennemis de mes ennemis sont mes alliés, tout ça, quoi. Je la ramasse par principe, mais ça sert à rien. C'est normal. Oh là là, j'ai encore droppé une clé. Je sais pas quoi en faire de toutes ces clés. J'en ai au moins 2. Oh, j'en ai au moins 3. God, j'ai 3 clés. Quel américain. Ah bah attends. Ah oh non, si je suis américain, ça veut dire que tu m'aimes plus. Ah, saloperie de fée.
il faut que tu coupes cet abonnement. Ça commence à bien faire là. Il y a des gens qui dépensent des sous. Ouais, il y a des gens qui dépensent des sous alors que je... que les avantages pourris à mes abonnés quoi, ça sert à rien. Arrêtez. Et encore, encore, il y a des avantages. Moi j'en ai absolument aucun. Si, j'ai une émote avec, c'est une baguette de pain. Oui voilà, bah, moi c'est du même niveau hein. Faut pas croire. Waouh, pas censé faire auto-tirer des baguettes ou je sais pas quoi. Des différents types de pain. C'est vrai que ça fait rêver, mais disons que j'attends qu'il y ait des viewers parce que si je fais ça et que je suis tout seul, c'est tarte, tu vois, c'est... Enfin, c'est drôle. Le mec fait des tier list tout seul. Bah, je trouve que le pain au seigle... Enfin, c'est... Bien, tournoi. C'est sympa. C'est comment? Troisième. Pan revient de tournoi où il a fini troisième. Nice. Un tournoi de quoi? Question pour un champion, j'imagine. Il fait plein de tournois. Donc là, il manque plus que l'item qui est dans son sous-sol. Donc j'ai même pas besoin de faire ces rooms là. Quoique peut-être pour les clés. Puisque je sais où est la Triforce. Et j'ai ramassé l'item qui drop au sol. Donc je sais que le deuxième item il est dans un sous-sol. Mais il me faut des putains de clés. Ah, des bombes, ça c'est chouette aussi. Le panier garni a été que pour les deux premiers. Oh, t'as pas eu droit à un lot de consolation quand même. Oh, un vieux qui me donne des bombes. Voilà, je me suis arraché tout ça pour avoir un cœur. J'espère que t'es content. Un truc un peu bidon pour le troisième quand même. Un poster, je sais pas quoi. Ou un post-it par exemple. Un souvenir quoi. C'est question pour un champion, offrez-leur des dictionnaires, merde. Le souvenir c'est qu'il aura eu que dalle. Voilà. Mais bah, il va s'en souvenir hein. Ah il va s'en souvenir encore. Hein. Il s'en souviendra, voilà. Ah mais bon. Je suis également dans un donjon qui est très long pour trouver un item. Est-ce que c'est le même que toi et que je vais aussi choper un cœur pour pas grand chose? Bah pour l'instant c'est pas là parce que ça c'est un cul de sac. Tout doucement, sans mêler. Pas à pas. Se dévoiler. Un paquet de gaufres ont été donnés à des gens qui sont partis avant la fin. J'aurais préféré un paquet de gaufres. Ah bah un paquet de gaufres versus rien, enfin ouais c'est... Ah j'ai trouvé un donjon qui est généreux en clé là. Le bonheur. Le bonheur... Ah non pardon. Le bonheur. Dieu belge que je vais jouer sur ces terres le 7 avril, dans 15 jours. Aucune réponse du Belge. Hein? Exactement. Ouais, c'est ça. Ah. Excuse-moi de te réveiller. Y'a quelqu'un qui me parle? Non, non, mais c'est pas grand, endors-toi et continue niveau 9. Ah, d'accord, excuse-moi. On voudrait surtout pas te déranger dans ton pibi, bien sûr. Je veuille plus, excuse-moi. T'as encore des clés, c'est gentil, mais. Là maintenant, c'est plus ça qu'il me faut, quoi. Des gaufres qu'il trouve super bonnes en plus et un gros paquet, c'était... Effectivement, c'était... Est-ce que la gaufre belge, est-ce que c'est sous-côté ou c'est sur-côté, la gaufre belge? Waouh, voilà. C'est quoi? C'est bien un truc que je veux bien t'accorder. Je préfère quand même une gaufre liégeoise aux gaufres toutes fines de fête foraine, là, qui ont de l'intérêt que si tu mets 4 tonnes de Nutella dessus.
Il est où ce putain d'escalier? Et heureusement qu'il a des clés partout ce donjon, parce que sinon niveau room c'est la purge. Enfin il se passe rien, il est très long pour rien. Je suis déjà allé ici. Ouais, il est beaucoup plus gros que prévu. Titre, allez, let's go. Je parlais du niveau, hein. Moi aussi. Alors le jeu est super généreux, ou alors il a pitié de moi, il me donne pas mal de clocks. C'est l'heure, c'est nuque, comment tu vois. C'est quoi, je pourris ce Glioc pour la gloire alors que j'en ai même pas besoin. Ah, 18, effectivement. Ah, ça change tout. Voilà. On est forcément en dessous là, dans les rooms un peu denses là. Ça va, ça va. Ouais, pas ici. Ouais, très fort ça. En dessous. Il me file l'urtica un peu ce donjon là. Bas, gauche, haut. Je peux aller au-dessus là. Mais on va passer par encore à gauche, au cas où la porte soit ouverte et qu'il y a besoin de claquer une clé. Exact. Exactement, Luc. Quel beau film n'est-il pas? J'ai mal le ignoté encore. Le mécanon il est pas là normalement. C'est truc et astuce, c'est dans la pièce qui fait moins. C'est à côté. Si vous lancez le rencontre dans le palais ici, c'est qu'il y a. Ah, il est très bien ce film, Gnick. C'est un des meilleurs. Salut, Wanda. Comment on accède à ces rooms là? Je sens que Gnick qui écoute avec attention. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai rien compris. La madame elle baille. Ça j'avais compris. Je voilà, je c'était pas ça, le point de contention, c'était pas. Les trucs ça avance pas comme je le voudrais. Mais... Je pense que je suis en train de passer trop de temps dans ce lieu. Manandala. Putain, c'était la littéralement la dernière room, c'est ça? Manandala, c'est quoi? C'est le 6? Non. Le 3. Ah bah, je l'ai trouvé de toute manière, le 3. Putain, ça y est, j'ai trouvé l'item du donjon, là. Oh là là. GG for your PB. Deux, c'est pas un problème à trouver. Ouais, quand tu l'as pas aussi. C'est pas bête ce que tu dis là. C'est pas bête ce qu'il dit là. Bah, ouais. C'est réfléchi. Et rachet. Ce qui commence à m'emmerder, c'est qu'il y a deux niveaux qui me manquent. J'ai mal noté peut-être. Il te manque quoi? Si je puis me permettre. Deux niveaux. D'accord. Pas mal. Pas même 3, mais dans les 3, il y en a un que je me doute qu'il faut quelque chose pour y aller. Oh là là. Je possède le deuxième boomerang. J'entends la jalousie dans ton je la ressens. J'ai aperçu le premier. Moi c'est pareil. Ah, le premier, je l'ai pris pour la gloire. À mon avis, j'ai du mal noté. La gloire du Seigneur Banane. Moi, j'ai trouvé que c'était pas, moi, j'ai trouvé que c'était pas très glorieux. Hein. De quoi, le boomerang dans Zelda? Non, c'est pas fou, non. Oh. Ok, plan d'attaque. Il faut maintenant que j'aille ailleurs. Je peux prendre un TP, le TP 3. Et la première pièce, tu meurs. Ah, ça c'est con. TP 3. Je crois que je sais de quoi tu parles. Je
sais pas, il y a des possibles peut-être. Attends, de quoi t'es rentré dans un donjon en première pièce, tu meurs? Un passage étroit, wow, le monstre qui te tire dessus. Bon, à titre personnel, ça m'est arrivé plein de fois de mourir dans la première room des donjons, donc cet indice ne m'aide absolument pas. Alors, je parlais pas de ça, mais c'est effectivement, ça marche aussi. Non, je suis tombé, je sais plus où, sur une room avec des couloirs très étroits et des dark nuts. C'est gentil de le dire. Enfin, je sais pas là où t'es, je sais pas, oui, je sais même plus là où c'était, mais je voilà, ça existe. Tu vas vite en apercevoir. Plus haut. Ah, j'ai pas encore la lettre. Je prends le TP qui est en haut à droite. Partir au TP numéro 3. Il est là, non, il a appris encore. Plus 2, donc c'est 3, c'est ça, ouais. Donc d'abord ça, sait-on jamais. T'as encore une grotte à potions, mais sérieux? J'en ai combien? 3, 4, 5? J'en ai trouvé 5. Je sais plus combien il y en a, mais il y en a pas qu'un. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il peut y en avoir plein, si je les trouve pas, c'est ok. Genre, alors que là, c'est vraiment de la provoque. Parce que j'ai pas la lettre. Ah, merde, meet my sibling. C'est quoi cet indice? Je connais pas. J'ai plein de frères et sœurs. C'est pour l'épée niveau 3. Le sibling, c'est l'épée niveau 3? Ok. Non, c'est pas sibling, non, c'est juste, il te dit l'apparence du PNJ qui va te le donner. Ah. Du coup, il dit sibling parce que c'est un PNJ qui a la même apparence que lui. Ouais. Mais à quel point est-ce que c'est un indice intéressant de savoir ce que c'est le skin du mec qui te file la Master Sword, enfin la Magical? Ah, tu demanderas à Fred Coughlin. C'est parce qu'ils sont complexés, ils sont tous du même village. World Drop. Il va falloir que je tente cette manœuvre aussi. Bon allez, c'est parti pour le... Un conseil, fait là un peu plus bas que moi. Je les prends comme ça, c'est fait. Ouais, Carly a gagné. Il n'y a pas déjà gagné? Ah non, c'était les semaines précédentes, pardon. Oui, voilà. Je confonds. Tu sais, quand God finit en premier, c'est moi qui gagne. Moi, il dit pas que c'est moi qui gagne. Et c'est un world drop réussi. Je suis pas jaloux. Pas jaloux, pas jaloux. Non, mais moi je crois ici que je suis vraiment dans la merde parce que je pense que je vais très mal noter un truc. Ah, c'est pas ici? Bon, pour tout ça peut être que. Tout ça peut être que c'est de que. Ah, oui, d'accord. Que c'est de que. Hey, show this to my sibling. Ça y est, je vais pouvoir enfin ne pas acheter des potions pour l'instant. Maintenant, j'ai la possibilité de le faire. Faut pas se moquer des petits vieux, ils sont tous du même village, c'est tout. Non, bah ils vivent leur vie, hein, font ce qu'ils veulent. Hein. Ok. Ça je peux faire. Flûte into donjon 1. Oh, oh, ça me fait triper à chaque fois que vous entendez faire les trucs. Je comprends pas physiquement pourquoi. C'est... En réalité, tu entends beaucoup plus fort que ce n'est réellement. Ah, j'espère, pauvre bureau. Bah oui, alors ça va résonner. Effectivement, c'est vrai que. C'est juste ça parce que moi j'ai un bureau neuf, alors ça m'emmerderait de. On avait compris que tu éclatais pas ta chaise à chaque fois, elle dit. Pas à chaque fois. Non, juste une fois sur 10. C'est un chiffre. C'est un couteau, ça. Ça, c'est un couteau. Oh, t'es sérieux. Il y a rien ici, évidemment. Si, c'est des indices, mais...
rien sur ça, va chier. Où je vais là? Où je vais là? Parce qu'il y a aussi ça. Ah, tu vois? Oh, le niveau 8. Ah, j'ai hâte de mourir dans un donjon dans lequel je ne suis pas encore mort. Mais il me manque le niveau 8, moi. Ah ouais, j'ai trouvé. Je pensais qu'il était à un certain endroit et en fait pas du tout. Non, il est à l'autre certain endroit. Ah, c'est pas le 9? J'ai pas le 9 encore. Je crois que c'est le seul que j'ai pas trouvé encore le 9. Ce qui m'inquiète, parce que je sais ce qui manque à explorer sur la map. Ah, t'as trouvé un niveau qui est généreux en clé, ça y est. Un item. Ah. Ah ouais, je pense l'avoir clear alors. J'en ai dépensé pas mal et je suis de nouveau avec clé. Oh, le donjon 8 il lag, hein. Ça, je sais. Ça va être souvent. Ok. Oh, mais le layout! Comme la princesse, pardon, désolé. Bien sûr. La famosa. Ah, la famosa même. Yes. Ah, les coquinous, c'était là. Moi, je pense que je sais ce que tu viens de trouver. Ah bon? Je sais pas, j'ai un feeling. T'as traité de genre de coquinous, c'est un. Ouais, mais ça peut être les dragonous, les wizrobous, enfin. Ah bah oui, bien sûr. Ça peut. Il y a plein de types de coquinous différents, quoi. Exactement. Oh non. Dommage. Lady, ton émulateur, il est bien, mais les wizards bleus, ils clignotent trop. Parfois, ils disparaissent complètement pendant longtemps, je trouve. Et genre, ils se téléportent, c'est normal, ça? Oui, oh, non, mais ça aussi, mais... C'est qu'il est l'ému. Mauvais bouton. Epse. EPSXE? Non. Pardon? FCEX. Ah. Mais c'est plus le. C'est plus celui qui est à la mode. Moi je l'aime bien parce qu'il est facile d'utilisation. Ouais, moi je suis sur Mécène. Parce que ça me rappelle MSN. A l'air d'être plus. A l'air plus utilisé désormais. Pas de réponse. Tu seras laissé dans l'ignorance. Qui utilise quoi maintenant? Bah, c'était ça la question. Bah, j'utilise toujours FCUX parce que je trouve facile l'utilisation, comme je disais. FCUX. FCEUX. Ah. FCUX. FCUX. Ouais. Moi j'utilise celui-là aussi. Bordel, ok. Bon, on va continuer l'explo. Mais... Bah, okay. Depuis quand je suis la mode? C'est que moi je fais beaucoup de choses comme Lady m'a dit qu'il fallait faire. Voilà, c'est comme ça que je me souviens où est-ce qu'il faut placer les bombes sur les murs le long de la plage par exemple. Ah oui.
Ça, c'est Lady qui m'a dit comment fallait faire et c'est très sympa. Ouais, pause. Tu pourras ramasser la Triforce en bas, comme ça, ça serait fait. Ben, et un arc. Oh, ah, j'ai toujours pas l'arc. Ça rend rien, l'arc. Ouais, t'as raison, je vais faire. Je skip l'arc. Bon choix, Leslie. Putain, t'arrêtes pas de faire des bons choix en fait. Mais non! Oh les Wizrobes! Tout à l'heure je me plaignais parce qu'il était dans une pièce avec beaucoup d'obstacles. Là la pièce elle est entièrement vide et je meurs quand même. Je commence à croire que c'est pas la faute des Wizrobes en fait. Non mais c'est forcément là. Je lui dis rien. Pas de spoiler. Il est encore jeune. Il a pas encore baissé les bras. J'arrive pas à finir sur mon papier en même temps que je tue les monstres. Skilly Chou. Que ce soit ça. Ok, d'accord. Bon, allez, ramasser la Triforce d'ici. Hein. Dans le cul, bah. Ah non, on va pas la ramasser tout de suite parce qu'il y a encore des méchants monsieur avec des capuches bleues. Putain. Bon, je crois qu'à mon avis, j'ai dû mal noter quelque chose. Je crois que c'est foutu. Oh. Si tu veux. Allez, Babi, tu peux battre Goth. Ouais, tu pourras me battre. C'est tu cherches un donjon? Ouais, bah, soit je l'ai pas bien noté, encore de sa faute. Hein. C'est quoi que tu cherches? Je vais pas te le dire. Mais non, mais comment tu crois que ça va m'aider à rien du tout? Même le chat est en train de miauler parce qu'elle veut savoir. Exact. Attends, je vais quand même noter que j'ai ramassé la trappe. J'ai pas trouvé ou j'ai mal noté et il y a ce qu'il faut pour me débloquer dedans. Ok. Je cherche aussi ce qu'il me faut pour me débloquer. Voilà, ouais, ok. Je l'avais pas mal noté. Je dois avoir ce qu'il me faut là. Bon, plus tard la Triforce. Ok. Effectivement. J'ai mal de clés donc je peux y aller mais. Ah, j'ai samedi à terminer. Y'a quelqu'un qui a terminé? Ouais. C'est ah, encore un des ricains qui déteste Goth? Non, j'ai samedi, elle est cool. J'ai un ricain, mais elle me déteste pas alors. Oui, voilà. Et c'est parce qu'elle manque, hein. Qu'est-ce que t'as la chatte? Bah, je suis pas devant. Oh, sérieux. Je persiste, hein. Putain, je suis dans la porte. Putain, moi, je suis dans la merde. Bah, écoute. Ouais, chacun son, hein. Bon. Ah, bah non, mais je suis con. Ah, non, 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 pas. J'ai rien dit. Je ne suis pas. Enfin, si, mais non. Bah, non, non, si, voilà. Non, factuellement, si, mais enfin, pas pour la raison que je pensais. Pas mal ça. Ah, pas mal ça. Oh merde, y'a pas Nulf. Où ça, y'a pas Nulf? Voilà. Ah oh, merde. Ça fait comme bêtise. Oh. Excuse me. Comment il va le pan?
Et alors, il paraît qu'on fait un truc chez toi ce week-end. Cet été. Je tentais la Master Sword, mais. La Magical, putain, fais chier. La Magical. Je suis pas au courant et tout. Ça, c'est même pas nécessaire, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Donc, ouais, je vais aller voir. Ça fait 8, 9, 10, 11, 12. 12 cœurs, c'est une possibilité. Va sur le Discord des héros du temps. Avec 12 cœurs, si ça passe, ça serait un gros soulagement. Il semble bien que t'étais pas au courant. Le mec, il vient viewer et tu lui rappelles qu'il est pas au courant, qu'il est pas invité quelque part, c'est ça? Mais c'est surtout que c'est chez lui, quoi. Ah, ça faudrait qu'il commence à faire le ménage, quoi. Bah, faudrait surtout que sa femme soit d'accord. Chier. Il y a quelqu'un qui a lancé un truc comme ça, de manière totalement random, sans demander l'avis, quoi. Ah bah c'est toujours là où c'est le plus sympa. C'était pour éviter d'avoir un refus. C'est ça, si tu t'invites sans te demander, techniquement on peut pas te dire non, t'as pas posé de questions. Après tout, pourquoi s'embêter à demander aux gens, hein? C'est vrai. Puis ça veut dire quoi être chez soi aujourd'hui, c'est bon. 2024, quoi, merde. Nickel, ça reste tout casseur, etc. Ouais. Ah, ce type commence à me faire chier. Oui, c'était bien jusque-là. Un seul objet te manque et tout est dépeuplé. Moi, ce ne sont pas les objets qui me manquent. Enfin, quoi que si. Ouais. C'était pas ça le souci. Je cherche pas spécifique. Ça y est, il vient de voir le Discord. Ok, le dernier item, c'est un item qui drop, qui manque. C'est un drop au sol. C'est du génie. Oh, il a pas envie de jouer, lui. Mais de toute façon, enfin, avec ce que tu sais, je pense pas que ça va être faisable, hein, Pan. Rien, bon. C'est pas grave, brute force. Brute force. Je pourrais revenir pour me soigner pour récupérer la triforce, c'est pas grave. C'est pas ici. J'ai des clés, let's go. Parce que... On va faire un truc que Babi sait pas. Oh, à savoir, pas, genre pas être dernier. Non. Ce je sais pas faire ça. Une kananaki. J'ai jamais entendu parler. Ça se trouve je sais faire, mais tu m'as jamais laissé l'opportunité de savoir que ça existait. C'est pour passer à travers une porte. Il faut une clé sans avoir de clé. Attends, c'est tu butes le truc sur la et tu passes genre la porte du haut sur la frame, je sais pas quoi. Je sais pas le faire, je crois que je sais de quoi tu parles. Il y a plusieurs conditions à remplir pour la Kananaki. Il faut n'avoir aucune clé. Ouais. Être dans une pièce où il y a une porte... Il y a une porte qui s'ouvre automatiquement à la fin d'un combat. Et une porte, exactement. Et tu peux passer la clé, ouais. Où la porte s'ouvre à la fin du combat, la porte verrouillée pendant un tout petit instant s'ouvre aussi, en fait, sans que ça se voit. T'as vu, j'ai de la ref, hein. C'est ça. Oh putain, cet homme vit vraiment en théorie. Ah là là. C'est là où je suis le meilleur. Hein. Je suis en train de m'efforcer à chercher l'item qui me manque dans ce donjon. Je sens que le plan intelligent, c'est d'en sortir pour aller faire les autres. Mais tu sais, on sait jamais. Est-ce que tu craindrais pas que ce soit un objet tout pourri? Genre un truc qui ressemble à une banane? Alors, c'est très difficile parce que je possède les deux trucs qui ressemblent à des bananes. Ah bien ça. Ah ouais. Ne soyez pas trop jaloux. D'ailleurs, j'ai oublié de le marquer sur mon tracker que je possédais les deux bananes. Attends, j'ai marqué. Voilà, c'est maintenant officiel. Il y a écrit que je possède les deux bananes. Calme-toi, Elvis. Ah, le double Elvis, là. Oh, c'est nul. Non, je vais partir vers un autre donjon. Ainsi suite. Non, j'ai pas. Attends. J'ai pas le deuxième objet.
Heureusement que je vais m'en apercevoir de ça. Bon, attends. 1, 6, 8. 6, non. Si je peux faire 6 pour aller au TP 1. Pour aller au TP 2, pour partir au 7 et au 2. Ouais, faire ça. Ouais, c'est pas glorieux ici. Sûrement pour des problèmes de bien plus bas étage que les vôtres, mais c'est pas glorieux. Honnêtement, Pan, comme ça, je sais pas te le dire. Je sais même pas c'est quoi comme jour, c'est un dimanche? Ça sent pas bon tout ça. En tout cas, ça sent le sub pas lundi. J'ai dit que je suis au 1 et que je voulais aller au 2. Je voudrais faire le 2 puis le 7. Il manque toujours un niveau. Ah non, pas ici, putain. Moi aussi, je crois que je sais où il est, il me manque juste attends, le 7. Attends, si, ici. C'est juste qu'il faut que je fasse la doublette. T'énerve, ah mais si vous parlez du fait qu'il vous faut un item pour accéder à un niveau là, ça m'inquiète aussi. Ce qui m'énerve, c'est que moi j'ai l'indice d'où il se trouve. Oui. Si on parle du même. À mon avis, il me faudra effectivement un objet. Voilà quoi, le fun. Ouais, attends. Genre de truc qu'on adore faire. Surtout quand il y a le hard shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais c'est ça. Autant commencer par le 2 hein, avant le 7. Bon. Oh là là. Tout est en train de s'aligner sous mes yeux et je comprends le désarroi dans lequel je vais me retrouver dans quelques temps. Ouais, Jessandy, elle a déjà fini, Gnuk, c'est tout. C'est le niveau où tu dois faire tout le tour, putain. Ok, bon, c'est sympa. Je pense... Si je comprends bien ce qu'ils sont en train de dire, et ça me fait peur, c'est que le niveau 9 se trouve soit en C16, soit en E6, qui sont les cases où tu peux y accéder qu'avec le... la barque. Et si c'est ça, c'est effectivement un souci. Non, il n'y a rien. J'imagine qu'il n'y avait rien non plus parce qu'il me fallait des clés et des bombes. Ok. On va trouver le Doritos. Ah, bah des bisous, Pan, non? Yes. A plus, Pan. Bye, Pan. Quand tu veux, tu reviens. Mon ego apprécierait que... que tu reviennes un peu plus. Quoique je dis ça, mais c'est pas sûr que je gagnerai à chaque fois non plus. Deuxième crête de bombe ? Ah non. Bon, il reste là. Oh putain, il reste là. Ah, j'ai plus de bombes. Ah, j'espère qu'il n'y en aura pas besoin. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Un dodongo, par exemple. Oh, des bombes. Oh, re des bombes, j'ai rien dit. Bah, les dodongos, à la limite, quand il y a deux bombes, t'es très content. Ah, c'est oui, fini. Mais je n'en avais zéro. Ouais, prismatique machin. C'est-à-dire que les deux items vont être au fond là, mais. Ok, ça c'est un item. À
les ricains qui finissent en 1h30, c'est rare. C'est parce que d'habitude ils finissent plus vite, c'est quoi qu'il faut comprendre? Ouais. Ouais. Ah mais non, putain, je suis con, dans le donjon 2. Putain, je suis en train de dire, attends, je cherche dans le donjon 2 l'escalier, mais non, le donjon 2, il n'y a pas d'escalier. Les deux items sont à l'air libre. Non, c'est quoi ce type de film? Les deux items sont en 32 secondes. Je crois que je fais ça chaque semaine. Il m'a dit, le film c'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est long comme titre, non? Il n'y a pas moyen de... Un peu long, oui. Il m'a dit qu'il fallait que je voie ce film. Ouais, quand même. C'est quelqu'un de confiance? Un film de vampire assez intelligent. Alors, comment doit-on prendre le assez? Je sais pas, par exemple, est-ce que tu regardes le film Lesbian Vampire Killer, par exemple? Qui est un film de vampire qui est très peu intelligent. Non. Bah, tout est dans le titre, quoi. Enfin, c'est... Enfin... Oui. Je sais pas, hein, mais rien qu'au titre ainsi, et dont tu m'en parles avec intelligence, je pense qu'il y a déjà une scène... Moi, hier, je pense qu'il doit déjà y avoir une scène. Hier, moi, je suis allé voir Pauvre Créature, et ben c'était trop bien. Je sais pas si vous l'avez vu. Et c'était comment, les créatures? J'ai marre d'une, deux, et ben c'était trop bien. Bon, d'accord, mais ça, on pouvait s'y attendre un peu de ta part. Ah bah c'est ici qu'elles étaient toutes les clés. Je vais te dire un truc, la fin la surprise, voilà. Ah oui, oui, ça, ah oui, non, mais sur la fin tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas pareil le livre. Ah ouais, bah ça, faut avoir la référence du livre aussi, quoi. Ouais, tu vas voir le film de Lavin Lynch, la... comment ça s'appelle, la mini-série de sci-fi. Il y a eu plusieurs adaptations déjà. Ah bien sûr. Donc t'es pas obligé d'avoir lu le livre. Et moi j'étais un peu déçu de Dune 2, enfin de partie 2. Et à chaque fois que j'en parle, on me regarde comme si j'étais le dernier des connards. Alors, ce qui est une vérité, mais pas à cause de Dune 2. Pas à cause. C'est ça. Non, c'est pas à cause de Dune 2, ça. Ouais, je l'ai trouvé. Je savais même pas que tu l'avais vu. Bon, et pourtant, je savais que t'étais un connard. et pourtant, le regard était là, quoi. Ah, tiens, encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore un Doritos. Je trouve que. La première heure et demie, heure 40, ne sert à rien. Ah. Et comment? Et c'est comme dans le premier film où je sais que ça sert à rien, c'est parce qu'en fait, nous, on voit des films en partie 1, partie 2, mais que lui, il a son scénario global en tête. Et que donc, il pose des trucs pour la suite, etc. Mais concrètement, la majeure partie de tout ce qui se passe pendant la première heure et demie, je m'en tape. Hey, Prismatic, thanks for the raid. GG. How are you? Ouais, c'est ça, GG. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bravo. Je savais du tout. Hey, des dodongos? Putain, c'est la première fois que j'en vois. T'as pas vu grand chose, ça. Ah, ok. I think I'm going for that too. Dans le deuxième item, du coup, il est en sous-sol. Donc, ouais, je trouvais qu'il se passait pas grand-chose et que ça faisait pas avancer quoi que ce soit. Et je sais que c'est voulu parce que bah, c'est du lore building et tout ça, quoi. Mais du coup, ouais, je me suis un peu emmerdé. Et il se passe. Tu vois, Carly? Tous les trucs qui se passent, ils se passent concrètement dans le dernier trois quarts d'heure, quoi. Champion, hein. Je dis que c'est toi qui gagne et du coup, je un peu ça. Item, s'il vous plaît. C'est quoi, je le prends parce que là, c'est bon, ça va être... Là, c'est Magical Sword Guarantee. Je comprends ton point de vue, Babi. Bah, c'est très sympa. Mais ouais, le problème c'est que comme j'ai, enfin le problème, je dis ça comme si mon avis avait le moindre impact, comme j'ai commencé à m'emmerder rapidement, bah j'ai commencé à prendre en note en gros quand est-ce qu'il se passait les trucs, et ouais, au bout de d'une heure et demie, il y a une demi-heure, 35 minutes, pendant laquelle tout se passe,
je trouve. Et bon, je suis pas au point de dire bah, s'il vous plaît de nous montrer que cette partie là quoi, c'est con. Mais ouais, tout se passe là et je sais pas. Voilà, ça m'a pas. C'est ça, et je comprends que ce soit important, tu vois, mais alors on y allait voir avec des gens, il y en a une en sortant qui a dit non mais de toute manière, c'est pas un film que tu vas voir pour le scénario, c'est un film que tu vas voir parce qu'il est beau, je suis désolé, si je vais pas le voir pour le scénario, me faites pas rester là pendant 3 heures. Non, faut voir si pour le scénario. Moi, après, c'est quelqu'un qui connaît pas Dune, hein, qui te dit ça. Ce qui me faisait un peu plus chier, c'est ok, genre si je suis là pour voir des jolies images et de la jolie musique, bah j'ai déjà vu le premier, enfin la partie 1. Donc j'ai pas besoin de m'emmerder à revenir, donc non, je reviens exprès. Pour le scénario, et c'est normal, mais là il se passe pas des masses de choses non plus, en tout cas pas des masses qui m'ont franchement intéressé. Mais ça c'est moi et je suis déjà pas cinéphile à la base. Oui, mais ton avis compte autant que celui. C'est très gentil ça. Personne dotée d'un cerveau qui a le droit de dire ouais, voir son ouais, avis ouais, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Il s'embête pas. Non, tu l'as raison. Ça ne me dit rien. Là je suis au 1 du 1, je pars au 4. Comment dire? Oui, il me fallait juste des dégâts. Y a pas besoin d'être une autorité en la matière pour avoir son avis. Je suis complètement d'accord. Oh, tu vois ce que je veux dire? C'est pas réservé quoi. Ouais, mais tu vois là, je préfère qu'on me dise bah évidemment, enfin tout le monde préfère. Je préfère qu'on me dise je suis pas d'accord avec ton avis. Et voilà pourquoi, ou même pas voilà pourquoi, juste je suis pas d'accord, voilà, fin. Plutôt qu'on me dise allez, mais c'est bon, ça c'est parce que tu sais pas apprécier les bonnes choses, enfin. Ouais, t'es un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Hein. Pas le gars qui apprécie. Non, mais il y a des choses qui sont un peu lentes. Après, moi ce que j'ai regretté, c'est qu'il y a une partie de l'histoire de lui qui est pas racontée du coup dans les films. En plus, j'imagine que vu la quantité de contenu de Dune, t'es obligé c'est de. C'est pas énorme Dune, c'est ça le truc. C'est ça qui est amusant, quoi. Tout le monde dit ah. Non, mais je veux dire, c'est pas énorme, mais quand t'en fais un film, je veux dire, en termes de lore, c'est un peu comme les premières pages du Seigneur des Anneaux, tu vois. C'est genre, ok, d'accord, on va d'abord poser absolument non, mais tout. Mais arrête, ça n'a rien à voir. Non. Beaucoup plus long en termes de nombre de mots, etc. Non, mais non, je parle pas de nombre de mots, je parle en termes de genre, cette espèce de. Tais-toi! Non, c'est pas en termes de nombre de mots, je parle plus en termes de. De cette espèce de surcharge d'informations que t'as au début, où tu. Ok, d'accord, ouais. Alors attends, il y a toutes les maisons, plus il y a les bénédictins, ok, d'accord, et puis il y a aussi lui, et puis il y a aussi. Ok, l'empereur, attends, les Harkonnen, c'était lesquels déjà? Je trouve ça c'est un peu cette surcharge-là que je comparais au début des Seigneurs des Anneaux quand il te dit, ok, bah alors il y a machin, fils de truc, le tonton du cousin à l'autre. Poli, un fils de truc. Oh là là, le mec se sent visé partout. Comme ça. Mère, il est fou. Il y a plus que là, hein. D'accord. T'es en train de te refaire tous les donjons un par un pour les full clear parce que tu cherches. Non, c'est pas là. Bah moi j'ai fini par trouver ce que je cherchais parce que j'étais effectivement en train de les refaire un par un. Ah, y a ça là. Non, enfin, j'ai envie de dire, du coup, à la logique, je pense avoir trouvé ce que vous cherchiez pour aller où. Mais je ne l'ai pas encore trouvé non plus, cet objet. Ah, il y a des coups de stylo, là, rapide. Voilà, et en même temps... Une nuit zombie hier. On appelle ça une nuit blanche en Belgique. Tu sais pas, peut-être qu'il était déguisé en zombie. Ah, peut-être. Le niveau de merde. T'as en plus, bon. C'est dans le niveau de merde. Ah oh bah oui. On les enchaîne.
je sens Triforce qui est paumé dans le trou du cul du donjon. Ah. Ouais, il me semble, je sais, on sent pas fou. Ah. Ah. Ah non. Oh. Ok, les étoiles s'alignent. En fait, vous étiez pas en train de bloquer sur le truc que je pensais. Non. Là, du coup, je pense savoir quand même. Je sais pas pourquoi, je continue à essayer de comprendre alors que semaine après semaine, on me dit non mais essaye pas, ça sert à rien. Moi, je trouve que c'est beau dans un sens. Et je suis beau dans un sens. Ouais. Dans un sens. À l'envers. Ouais, chacun ses délires, hein, d'accord. On n'est pas là pour King Shame. Non, non, je cherchais juste le bon sens. On le cherche tous. Il n'y a plus de bon sens. Ils sont tous uniques, ouais. Oh, bah. Oh, mais. C'est je ramasse pour être safe, mais. T'as vu la dernière mort? Bah tu te mets en multi-stream sinon, t'as un multi-twitch.tv.com. Directement. Ah, j'ai entendu un yes en arrière. Ah mais non. Ouais c'est vraiment l'acide. J'ai encore trop. Ça fait plaisir ça. Ah bah c'est putain. Tout bon, rattraper des gens. Ce qui était rigolo, c'est que tout à l'heure, il y en avait deux qui étaient. Bordel. Qui faisaient le même déplacement en même temps. C'était vraiment rigolo? Ou tu dis ça pour nous faire plaisir? Ouais. Non, c'était rigolo. Très bien. C'est rigolo de les voir les deux vraiment au même endroit et pas faire les mêmes. Bon, ça a changé depuis. Pénible ces Wizrob. On est écolo. Donc ma théorie c'est que ouais, il faut le raft pour pouvoir accéder soit au donjon 4 vanille, soit au cœur vanille qui est en haut à droite. Putain. Oui, bon. Et que ça doit être ça, ok. Oh la room. Je me dis que j'aurais peut-être quand même fini avant m'habiller, on sait jamais. Oh le mot peut-être. Ouais. Le mot peut-être quoi. Je sais pas pourquoi tu dis peut-être. Le mec se permet de douter. Ah oui, oui, je m'offre ce luxe. Raft. Oh, un cœur qui sert à rien, je vais le prendre quand même. Oh, on s'y attendait pas ça. Go 3 du coup. Et c'est moi prendre des bombes, bon sang. Si. Attends, j'ai. C'est la fatigue, je crois, mais je me suis retenu de chanter laissez-moi prendre des bombes. Enfin, c'est. Laissez-moi. Ah ouais, non, mais là, laissez-moi là. Laissez-moi tranquille. Ok, le 3 que j'avais skip parce qu'il me fallait des clés. Ah. Bah oui, il m'en fallait là. Putain, ils appellent ça le Nord. Eh ouais. On n'a pas la même notion. C'est la première case dans la zone Nord. Yes.
Ça aurait été trop beau. Donc c'est plus qu'une histoire de trouver la Triforce ici, je me fous du... je me déresse des objets, je m'en fous. Vous savez que je suis pas allé. Où avais-tu parce que... Tiens, attends, est-ce que ça veut dire... est-ce que ça veut dire que je pourrais finir avant Croutor? Non. Ah non, il dit où est-ce que je suis pas encore allé parce qu'il est dans le neuf. Merde. Bah sauf si je fais de la merde. Hein. Non, non, bah non, 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 ça serait quand même chaud. Il me manque encore 3 Triforce. Je sais où sont les donjons tout ça, mais j'avais dû en sortir parce que j'étais trop faible. Pourquoi pas? Fais de la merde. Je ne prends pas cette clé. Si je le regrette plus tard, je suis triste. Oh, j'espère qu'il va la regretter. Ah là là. Bien sûr, Twitch, le twitch.tv, c'est le chebabier pour aller voir à quel point je regrette. Hein. Allez, il ouvre le Dorito. Quand ça n'a de clé, je la ramasse. Quand ça n'a, je la regretterai pas. Nice. Allez. Putain, de triangle magique. Ça avançait bien jusqu'à ce que... que ça n'avance plus. Quand soudain, c'est le drame. Tu n'es pas un triangle magique. Tu n'es pas un triangle magique. Un 8 mort. Par contre, j'ai pas non plus la Eniki. Ça va être rigolo, ça aussi. Bah, pas forcément. Hein. Oui, bah, oui, c'est ça. Disons que ça pourrait être rigolo. Putain, il va être dans la dernière salle. Non, niveau exploration du neuf, je suis allé moyennement vite, mais ça va. Ouais. Il y a des niveaux qui rapportent pas mal de clés. Oui. Je sais pas comment t'as fait, Carly. Hein. C'était. Je sais plus, c'est le 6 ou le 7 où il y avait plein de clés. Évidemment. Évidemment, pardon, désolé. Attends, du coup. Ah, je suis pas arrivé devant les caméras. Évidemment. Il reste que des fonds. Ah, bah, je suis bête. Ça va, oh. Oh là là. Envie de canner. Comme la ville dans le Roussillon. Donc 3 puis 8. Je pourrais faire le 8 maintenant. Allez, je viens vous voir. Maintenant que j'ai l'épée. Un petit raid. Maintenant, je sais que j'ai pas besoin de faire tout le donjon en fait. J'ai besoin que juste de récupérer la Triforce. Les gens, on va soutenir ceux qui sont encore en course. Ouais. Ouais. Et moi, je vais les regarder en direct. Oh là là, merci. Je pensais que tu partirais chez Croutor. C'est. Pour changer un peu. Mais c'est plus rentable. Pourquoi je les bute? Il faut que j'aille en dessous en plus. Ça sert à rien que je les bute, ça. Ah, oh, c'est pas sûr. Hein. Ok, je vais récupérer la Triforce du 8. Il faut encore que j'aille chercher la Triforce du 5. Et après que j'aille dans le 9 et que je fasse le 9. T'as le temps, hein.
J'ai dit le 5 qui est là-bas, donc TP 3. J'avais pas vu ta description de chaîne, Babi. Soit on joue bien, soit on rigole bien, rarement les deux. Ouais. C'est... Ah, t'as vachement plus d'objets que moi, et j'ai pas eu tous ces cas, moi. Ah bah ça, c'est parce que, voilà, je... C'est ça, moi je vise le run 100%. Bah t'as bien avancé. Bah, je sais, enfin du coup je sais où est le 9, enfin je sais où je sais. Mm-hmm. Faut juste que ils sont loin là les donjons. Je retournais au 5 parce que j'ai pas encore ramassé la Triforce. Dans le 5 je suis rentré, j'ai pris le boomerang, j'ai dit chouette et je suis parti quoi. Le con, il m'a spawn dessus. Oh putain. Mais je crois qu'il me fallait. Je sais pas s'il me fallait un arc. En tout cas, il y avait un goma à un moment, donc je m'étais noté qu'il me fallait un arc. Ça va, et toi En même temps, pour gagner, il te faut un arc. Oui, non, mais si ça se trouve. Oui, non, enfin, comment. Pour le goma, là, je sais pas s'il le fallait ou pas. Ouais, pour le 5. Bon, je sais plus comment je fais. Mon siège qui descend. Cette room là qui m'a fait. Des cauchemars quand je suis entré dans la première fois. Je crois que j'ai claqué toutes mes bombes dans cette room la première fois. Bah écoute, ça va. Last enemy at the clock. Toujours. Tu as dit quoi? Le dernier ennemi à l'horloge. Non, ça va pas être ici, sinon j'aurais déjà clear. Oh la vache! Tellement caché. Donc il doit être pas loin le Kliok. Le Goma, pardon. Genre là. Ah non, ça c'est... Ouais. Ah ouais, j'aime bien ta technique router. Ouais bah il faut qu'elle marche encore, hein. Ça y est. La technique router. Bah je trouve qu'elle marche pas mal. Ah il est en train de... Ok. Ouais. Ouais. Bah je serais pas damné sur une technicalité quoi. Je sais pas ce que t'as la chatte, tu peux sortir toute seule, c'est pas fermé en bas. Toi aussi je suis impressionné, 100% de cœur. Oui, c'est super. c'est génial. T'as acheté une bougie bleue, Kouta? Pardon? Tu as acheté une bougie bleue, Kouta? Oui, je l'ai acheté. Yeah. Pourquoi? C'est pas perdu? Si, non. C'était. Oh, ben. Attends. GG. Disons que 90% du temps. GG, Kouta. On la prend à la place d'un cœur. GG la croûte. Bah, j'avais plein d'argent quand j'avais plein d'argent dès le début, je me suis dit j'ai fait le pari là, comme l'un d'entre vous a fait la même suggestion la semaine dernière. Attends, j'ai pas clear celle-là. Petit chat, arrête de miauler, ça ne sert à rien, je suis en train d'essayer de sauver la princesse, mais le jeu a pas envie. Parce qu'évidemment que le Dorito va encore être tout au fond du donjon. Comme dans le 4. Évidemment qu'il va dans la dernière room. Évidemment. Oh là là. 17. Ouf.
faire des gratouilles, mais enfin, je vais pas des tourbillons maintenant, c'est déjà ouvert. Ouais, bah la mort sur Ganon, à faire passer pour toi devant. On voyait juste la queue de ton chat dans le champ, c'était rigolo. Reviens, biscotte. J'ai Ganon qui m'a pop deux fois sur la tronche. Donc. Et je l'ai cherché pendant plus de 20 minutes le niveau 3. C'est très con ce que j'ai fait là. De quoi ? Tu veux charger des cœurs ? Non, c'est non, 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 de revenir ici pour faire ça. Mode, assez tôt et... J'aurais pu faire ça depuis la sortie du niveau 3 en fait. Merci Rachid. Ça c'est le 2. Donc. Tu vas aller vers le 1. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est l'autre ? Let's go. En fait, t'es pas obligé de prendre le tourbillon une première fois avant de rechanger le niveau de destination. Ouais, mais je me souviens pas le quand je le prends en premier. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il prend comme étant mon endroit ? D'accord. Tu étais obligé de le prendre une fois pour avoir un repère. Les copains. Kidnapped Nord-Ouest, ok. Il reste plus que moi, je peux dire les trucs à vote. Ouais, tu peux, c'est 16 cases. Non, mais c'est bon, c'était juste pour être sûr qu'il y a personne qui vienne de faire. Ah bah oui, merde. Il est déjà au niveau 9 et tout. Ici, oh, bah ça va aller vite alors. Ouais, ça va, il est quand même. Je vous envoie chez Babi. Attends, je me souviens qu'il fallait. Des bisous. Attends, ouais, ouais. Ah oui non mais, alors, mais concrètement je sais ce que t'as dit tout à l'heure à Goth. Des bisous tout le monde, à plus. Bye bye. Je sais ce que t'as dit tout à l'heure à Goth, oui, par rapport à quelle case. Ah, je suis content, j'ai pas pris. Attends, je suis tarte, je me suis ouvert. J'ai... Ça, ça. 1, 2, 3, ça. Attends. Ah, mais putain, mais attends, il y a un truc qui s'est créé là, ça fait chier. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je veux pas j'ai habillé, c'est bon. Je pense que c'est le karma. Hein. Non, mais j'ai épinglé un truc dans mon chat, j'arrive pas à le virer, c'est la montagne. Ouais, du coup, j'imagine que. Non, quoique je n'ai rien imaginé du tout. Je vais juste jouer. Je vous lance, ouais. Babi, fais attention, il y a un peu de monde. Oh mon dieu! La chaîne va décoller. Ça me ferait chier que ce soit grâce à toi. Ah non, hein. Tes stats en fin d'année, merde. Tu verras que le dimanche, hop, ça monte un peu de temps en temps. Sur le L tout en bas, en fait j'ai juste fait moins 1. Ah, t'as trouvé la map ? J'ai même pas trouvé la map dans le 9. J'ai trouvé la map dans le 9, mais de toute manière je possède une Bible. Ah, que je pas. Que d'ailleurs je me rends compte que je n'ai pas noté. Je sais même plus où je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé. Elle est dans le niveau que Goth il a mis du temps à trouver. Dans le niveau 3 donc. Et dans le 3 ? Bonsoir les gens qui ont raidé depuis chez Goth, bien entendu, hein. Ouais, reste une room en bas à droite, ça me ferait quand même chier que ce soit là. C'est un des objets que j'ai trouvé quand je cherchais le bracelet de puissance. On aurait pu faire la vanne, est-ce que je peux terminer Solstice avant que tu finisses le rando, mais... C'est pas impossible. Hein. Ouais, comme de répétition tous les dimanches, à un moment ça risque de la scène. Bah c'est le concept de la répétition. Est-ce que tu marchais surtout ? Ah, j'aurais dû tenter de poser une bombe et je ne l'ai pas fait. La dernière fois on avait fait Battle of Olympus avant. Ouais, je vais faire un aller-retour qui sert à rien là. Bon, j'espère qu'il faudra pas que je revienne ici. Non, pourquoi je l'ai tué ? Très bien. Déjà, ma map elle est mal prise.
maintenant je suis là, là. Attends. Ouais, elle est pas mal prise. Peut-être. Ouais, non, et en plus, le niveau 6, je l'avais quasiment pas exploré, d'où en fait, j'ai jamais eu de clé quoi, pendant toute la cible. Ah, le 6, ouais, il était généreux. Ouais. En fait, le 6, c'est la première Triforce que j'ai pris, j'avais même pas. J'avais même pas l'épée, quoi. Donc, j'y suis retourné hyper tard, en fait. Bon. Pareil. Bah disons j'ai cherché dans le 3, le 4 avant quoi. Ouais, moi j'ai dû acheter des clés pour finir le 5 et le 2 quoi. Ah ouais. Ah ouais j'en ai, on en était là. Qu'est-ce que... Ok. Faut juste ne pas le dépasser. Oui c'est le, c'est le Gorilla c'est ça. C'est un Grigoria oui. Le fait que ce soit un Wallmaster, c'est flippant, je trouve, visuellement. C'était. C'est le royaume des cul-de-sac, en tout cas, c'est chouette. Ok. Je suis en 4, donc c'est là qu'il y a. Bon, c'est pas le bon dessin, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que le seul glandu, en fait, n'est pas avoir vu l'indice. Du coup, ne pas savoir où se met précisément Zelda. Je l'ai pas vu non plus, mais j'ai trouvé Zelda dès le début. Hein. Moi, j'ai quand même du mal avec l'indice qui te dit qu'elle est au nord, quoi. Nord-ouest, mais c'est. Oui, bah. Techniquement correct. C'est comme la semaine dernière, c'est. Un peu, mais pas trop. Mais c'est ça, quoi. C'est plus au sud du nord-ouest. C'est plus au sud du nord-ouest. Voilà. Bah ça, c'était un cul-de-sac. Tu es content d'être arrivé dans cette pièce? Je suis très heureux d'y être, en effet. C'est, je pense que c'est une pièce que d'habitude les gens visitent pas assez. Elle a un potentiel, elle a un charme. Vas-y Stéphane Plaza. Ah désolé, je suis pas assez. Mais il faudrait que tu traînes sur... on appelle Valérie Domino. Je suis pas assez harcèlement sexuel pour être Stéphane Plaza. Quoi. Ouais, tiens. Oh, tout de suite. Rien n'a été prouvé, monsieur. Non, pas encore. Attends, c'est forcément ça, ou alors il y a un escalier, mais... Il y a un escalier. Voilà, jolie pièce. Prends un coup de patra. Et patatra. C'est évidemment, je rentre ici sans potion, parce que je suis un vrai. Un vrai con. Oh, ouais, t'as quand même une blue ring. Ah mais je suis con, c'est l'autre, c'est la non mais je suis tarte, c'est l'autre côté de la pièce de Zelda. Oh non, oh, buté par un gorilla bleu, c'est une honte. Bah, il avait un boomerang magique. Ouais. C'est pour ça qu'il m'a eu hein. Mais ok. Merde, c'est assez straightforward comme ils disent. On parle bien anglais. Hein. C'est vrai. Ça faudrait que j'en fasse quelque chose un jour. Pour en faire ton métier. Voilà. S'il vous plaît, des cœurs, un truc, filez-moi un peu de la ressource. Non. Bien. Oh. Vas-y. Ah, facile ça. Attends, je sais pas les faire de face. Déjà que de côté, c'est pas. Allez hop. Oh là là là. Allez hop. Ah,
Ah, tout ça pour un cul-de-sac, trop bien. Pourquoi faire, hein? Non. Là, c'est rue en dessous de la salle de Zelda. Ouais. C'est bon, cette salle, on peut y arriver par plein d'endroits, c'est chouette. Bah, au moins 3, quoi. C'est un bon chiffre. Hein. Plus de cœur, plus de... Putain. Voilà, j'arrête de prendre des notes. Ça sert à rien. Passons, examen de passage. Yes. Donc, je peux pas passer là. Ah bah non, pas deux fois de suite. Sympa. Enfin, c'est pas là, mais je suis quand même curieux de savoir ce qu'il y a là. Ah, rien du la tout. La passion. Voilà ce qu'il y a là, la passion. Voilà, tiens. Le seul truc, c'est que si ça se trouve... J'ai pas entendu Ganon à cause du... Non. Vous droppez des cœurs, vous? Non. Hein. Ah. Si. C'est sympa. Un peu. Ok, donc il me reste à aller voir en haut à gauche et redescendre. Ou alors la case qui est vraiment tout en bas à droite. Et si c'est ça, je pleure. Non, je pleure pas. Mais pas loin. Ça, c'est de la room, ça. De 2 heures, faut faire une pause. Tu devrais t'arrêter un quart d'heure. Là. T'as raison. Le sub lundi est si proche. PV. Oh, tu vas l'avoir, le sub lundi. Bah attends, parce que s'il est extrêmement loin et pénible à atteindre, et qu'en plus je me fais buter. Ah, ça m'est arrivé, je suis mort dessus. Trop bien, une clé. Ça va être un item, ça? Non? Je pensais que ça serait un item. Ça va m'amener dans le cul-de-sac qui est à droite, ça, non? Yes. Non. Ah, il y a encore un escalier. Attention, il brave le danger. Il fait le truc. Ouais, c'est parce que c'était des amis pas trop méchants qui mettent pas trop le stress. Ah, évidemment qu'il est dans la pièce en bas à droite. Hein. Attends, est-ce qu'on peut y accéder par quelque part ailleurs? Je crois pas. Non, c'est que ça. Hein. C'est que ça. Ça veut dire que je n'ai pas de potion. Et que pour y accéder, il faut faire un trajet certain. C'est ça. Bon, Blue Ring, mais... Après, la salle est pas trop dégueulasse. T'as dit la même chose avant de mourir. Plus qu'un. Bon, j'avais pas la Blue Ring. Moi je l'ai et pourtant. Oh, le TP sur moi, dégueulasse. Le sale. Le sale sale. Bah bon, tu connais le chemin maintenant. Ouais, c'est... Oui. Est-ce que je ressors pour aller chercher des cœurs? T'es mort au moment où tu le tuais. Ah oui, en plus, parce que vraiment, c'était... Ouais. Ah, il a donné le dernier coup, il était en rouge, c'est qu'il a lancé une
Ok. S'il vous plaît, dropez des cœurs. Ouais, une fée, c'est bien aussi. Dropez des cœurs. C'est qui, Pedro? Non, vous m'emmerdez, vous. Allez, hop, bisous. Va-t-il reproduire le miracle? Oh là là. Je n'en reviens pas moi-même. Hein. Bah non, je peux pas passer par... Non. J'ai testé d'y foutre une bombe au-dessus, je crois. Ce qui serait bien pratique. Ouais. Ah non, le jeu veut vraiment que tu fasses un grand, grand tour. C'était pas celui-là. Est-ce qu'ici c'est raccourcissable? Non. Non plus. Ah, donc c'est vraiment juste long. Merde, bug. Non, c'est bon. Évidemment, je me prends les ropes dans la tête. Ouf. Si c'est pour voir ça, je suis même pas certain que t'aies besoin. C'est vrai qu'on ne sait pas s'il sera encore là. Bien sûr que s'il sera encore là. Parce qu'il aurait sûrement dû perdre du temps pour aller chercher une potion à l'extérieur. Ce qu'il n'a pas fait en se disant, mais c'est bon. Je vais dropper des trucs. Et puis en plus, je vais pas me prendre des coups, donc j'ai droppé des fées. Là, je me fourvoya. Non, lui c'est. La flèche d'argent, la chauve-souris. Quoi. Écoute, hein, c'est voilà, c'est son instant de gloire. Alors qu'il pourrait faire ça pour la musique. Ça serait donné de. Que je remarque, de l'importance. Que deuxième mort potentielle est possible. Bien sûr. Ok. Encore une bonne part avant ce blind. C'est ça, j'ai encore. C'est quoi? Comme c'est seul blindé de toute manière, si celle-là elle passe pas, je ressors, je vais me soigner, je prends une potion. Et... Oh le fou quoi. Le lent surtout. Mais non! Voilà, on y croit. Voilà. Putain! Je reviens. Ce sera un sub lundi. Mais ce sera. Déjà fait une fois, deux fois à la limite, mais pas trois. Hein. Des sub lundi, tu veux dire? Non, le fait d'être drôle. Ah, non, non, oula. C'est pour ça que j'arrête de parler. Un conseil? Un conseil, tu vois, comme t'as le start juste à côté, tu fais un up plus A. Ah oui, c'est vrai qu'on m'avait dit ça, je me souvenais pas que c'était... Ok, ouais. Ah non. Si. Ok. Si. Ceux qui me croient pas en plus. Non, c'est pour ça, c'est comme ça, fait l'effet sonore de c'est bon, c'est fini, t'es plein. J'ai dit, bah ok, c'est bon, c'est fini, je suis plein. Et... Ah, t'as un effet sonore quand t'es fini et que t'es plein? Ok. Ouais.
se remplir en fait à chaque fois que le cœur finit de se remplir. L1. Et t'entends quand ça s'arrête de. C'est ça. Ça c'est le 8. Le 1. Comme quoi, tu vois, ce temps perdu qui aurait pu être économisé juste en faisant ça. C'est beau. C'est dommage, mais c'est beau. Tu peux faire, si tu butes Ganon, tu récupères la Triforce, tu fais un up A. Ça, il est validé. De quoi ? Tu fais un up A à quel moment ? Tu butes Ganon, tu récupères la Triforce, tu fais up A. Oui, ça compte. Ouais. Ouais. Ouais, ça compte, c'est bon. En tout cas, je continue à passer par là, c'est vraiment juste pour le charisme. Quand on sait que Zelda est pas loin du début du niveau, souvent on fait ça. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, bah, je veux dire, pourquoi ça se fait, enfin, pourquoi il y aura un problème. Ça se trouve, c'est mauvais bouton. Si ça se trouve, c'est même plus rapide de retourner à Ganon sans faire le ladder clip en prenant les escaliers. Et je suis en train de me rallonger la route. Juste pour pouvoir flex que je sais faire des ladder clips. Non, t'as raison, s'entraîner, c'est. Bah d'accord, ok. C'est très important. Hein. C'est maintenant que ça drop des cœurs et des fées, quoi. Ouais, maintenant que t'as les bimes, en fait, tu les tues de loin, donc du coup. Ouais. Ah là, je suis de retour. Ça va finir dans pas longtemps. Ouais. C'est gentil de m'avoir entendu. Allez, go. Voilà. C'est exactement. Exactement. Allez. Je suis trop. Oh et merde. Tu vois, essayer c'est le meilleur moyen de se planter. Hein. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'essayer. Juste tu baisses les bras tout de suite et puis comme ça on n'en parle plus quoi. Let's go prendre des dégâts sur un patras. Je voulais me dire quelque chose. Ce coup-ci, c'est imperdable. Eh bien, il avait raison. De quoi ? Il avait raison de te dire des choses. Oui, il a totalement des raisons de me dire des choses. Deux. Trois. Le pro, c'est qu'il débute en Russie. Ça va quand même plus vite que chez nous. Putain. Même pas besoin de la potion, telle de merde. T'as le verdict avant le jugement, oui, ça va plus vite. Ah c'est oui, c'est efficace hein. C'est plus rapide. Mais est-ce qu'on a pas ça de l'efficacité ? C'est ça, qu'est-ce que t'appelles efficace ? Et puis on parle. Précisément, mon but c'était que vous posiez la question. Tu devrais t'entraîner pour les faire dans l'autre sens. Regardez ça comme il est pressé. On va dans l'autre sens vers le haut. Ah bah ça je sais aucune idée de comment on fait. Enfin je veux dire, sur la théorie si, mais sur la pratique, aucune idée de comment on fait. Toujours ce fameux pays. Le fameux. J'ai l'impression d'être au boulot. T'as l'impression d'être en réunion de boulot. Alors en théorie, tu dois faire quoi ? Let's go. Et
Pas nul, faut encore en train de la faire. Pas nul, tu l'aurais forfait. Ah. À ton souhait. Vas-y, c'est combien de morts ça? C'est... Ah. J'ai envie de dire 19. J'en sais rien du tout. Non, j'en sais rien du tout. Ça ferait moins que Goth. Alors moi, c'est 21. T'es mort 21 fois? Ouais. Je dis 19, mais j'en sais rien. 27. Nice. Oh, non mais... C'est... Voilà, je suis pas dernier. Sur une technicalité, je suis pas dernier. Merci bien sûr à barbecue.gov qui a dû partir pour des urgences familiales. Ouais. Merci à la famille de... Merci à la famille de barbecue.gov qui me soutient dans ma... dans ma quête. Ah, je suis content quand même. J'ai mis le temps, mais je suis content quand même. Hop. Et du coup, bah... C'est fini. Il y a encore des gens. Il y a des gens qui sont sur Z1 là. Des gens. Mais non. Enfin, des gens que je connais forcément pas, parce que je ne connais personne. Non. J'ai pas l'impression. Si tu veux, il y a Starless qui. Du stream du Zelda Ocarina of Time. Ouais, j'ai vu, mais je ne sais pas qui est cette personne. C'est quelqu'un. Ah si, il y a Tournament Match, bah, je ne sais pas qui sont ces gens. Mais tu sais quoi, à la place? Eh bien, à la place, non. À la place, je vais balancer sur de la musique. Voilà. Ah ouais, je sais. J'avais voulu faire Radio Contact. J'avais voulu faire un soir. Et à la seconde où j'ai balancé le live, le mec a éteint... enfin, le mec a fini le sien. Ah, c'est bon. Ça arrive. Yep. Alors attends, où j'ai mon Hobbs? Un spectateur est prêt à être lancé, c'est triste. Ah non, 5. Non mais ça m'a écrit 1, hein, c'est pour ça. Putain, c'est Rémi Brical, mec. C'est un anglais qui fait exactement ça. C'est ouais qui fait de la musique. Ah bon, tu as fait ça alors? Ça se voit un peu. Oh, non, il fait pas de musique, le mec là. C'est. Je me mets ça en fond sonore d'habitude. Autopilot, qui est un anglais qui aime bien les Beatles. C'est étonnant. Hop, je coupe tout ça là. Je coupe le chrono, je crois. Allez. Non mais je suis content. Même je faut pas je lis trop fort, mais. Même si je perds, je suis quand même content de les faire, ces run got. Hein. T'as mis du temps à me convaincre de venir, mais. J'ai mis du temps à m'auto-convaincre de venir. Tu vois. On reste raisonnable, hein. Oh, il chante la pub Nutella, c'est beau. Les refs. Genre, c'est pas faux, et en même temps, merde. C'est pas faux. Je sais que c'est quand même la chanson Glorious, mais je sais plus qui chante. Andrea Johnson.
Andreas Johnson. Quoi Andreas Johnson, c'est ça? Ouais. C'est en plus écrit en bas de son écran, en tout petit. Ah, je n'ai pas l'écran, j'ai juste la musique. Ah ouais. Ouais, Andreas Johnson. Non, c'est assez sympa à regarder comme live, parce que du coup, pendant le... Quand il décide de la chanson, il passe... Enfin, potentiellement, la chanson, elle dure 3 minutes, mais en fait, le build-up où il fait toutes les tracks peut durer 7, 8, 9 minutes. Le temps qu'ils construisent tout. Et enfin c'est un truc que j'aurais adoré faire, mais je me suis arrêté à juste jouer de la guitare. Oh, encore un point commun avec Panulf, c'est beau. Là je joue aussi du ukulélé, il fait du ukulélé Panulf. Oh, quand c'est une guitare à 4 cordes quoi. Il en coupe 2 quoi. Oui c'est ça. Ouais, c'est bien ça, Bob. Un musicien en effet. Si tu peux jouer plein de trucs avec une guitare, Let It Be, Imagine, Help, ouais. Et plein d'autres. Hein. Ouais, je sais pas, j'ai une guitare, une basse, un piano, mais j'ai jamais joué ce morceau-là. Eh, il est pas trop tard. Oui, mais il est quand même 23h42. Ah non, bah d'accord, il est un peu tard maintenant, mais.